Let's go. Si toi aussi tu fais des imitations de Joe Pesci. de Robert De Niro et de Joe Pesci. Personne? Bon bah. Non. Allez, petite musique. Qui me fait le résumé? En deux, trois, deux temps, trois mouvements. Ça va être rapide. Bah donc Nia, il a l'air de se présenter. Alors, donc on est parti sur de nouvelles aventures. On a rencontré, c'était à New York qu'on s'est retrouvé. Ouais, New Ouais. York. Donc on s'est retrouvé à New York dans une convoqué dans une bibliothèque, non, dans une librairie perdue dans un quartier dont je ne me souviens plus, Le Bronx. où on a retrouvé donc notre agent de liaison et un monsieur énigmatique qui s'avérait être un des gars du directorat de l'agence. Ils nous ont dit que sur la mission précédente, même si on avait bien rempli la mission, on l'avait pas rempli pour la bonne agence et qu'on était peut-être légèrement con, mais bon, bah, C'était pas grave parce que aussi. c'était pas grave parce que c'était bien rempli, on a nettoyé, etc. Il n'y avait pas de preuves. Tout va bien. On avait juste l'air un peu con. Hey, you treat me of a prick! Pardon, j'ai essayé de faire Joe Pesci, mais c'était raté. Non. On arrête tout de suite. Pardon. Donc du coup, malgré ça, et malgré notre incompétence crasse, il nous envoie sur une nouvelle mission. Bon, pas si incompétent que ça. Oui, donc on n'est pas si mauvais, mais juste légèrement sous-performant. Ou peut-être un... Ouais, quand même un peu. Un petit peu de naïveté parmi vous. Ouais, Ouais, on va dire bon. ça. On leur a demandé s'il n'y avait pas des signes de reconnaissance, des trucs à savoir pour pas se refaire pigner. Et Et non, démerdez-vous. Donc, bon, bah voilà quoi. De ce point de vue-là, Non, non, j'ai pas oublié des trucs, hein, t'inquiète pas. J'ai noté que vous on vouliez va des armes, t'inquiète. faire rien. Donc, on leur a demandé de l'accès à du matériel. Ils ont dit peut-être. Et donc, ils nous ont filé une nouvelle mission qui est de d'ailleurs trouver un manuscrit qui a été ramené aux États-Unis par un ressortissant japonais. Qui fait partie d'une comment ça s'appelle D'une mafia? d'une quoi? Non, rien, pas d'une mafia, mais d'une ancienne Une agence confédération de sorciers. d'une agence équivalente plus ou D'une moins côté société secrète japonais japonaise. grosso merdo, mais qui eux sont pas nécessairement pour faire disparaître les preuves, plutôt pour s'en servir et que ça tâche. Alors attends, c'était quoi le nom? Génie au chat. Ah, Génie au génie. chat. Le génie des Donc, chats. Mémotechnique. du coup, on s'est envolé vers, je ne me souviens plus, Los Angeles? Pasadena, ouais. Pasadena. En Californie, ouais. Ça fait loin ou pas? Oui, ça fait loin. Oui, ça fait une trotte, ouais. Hein. Donc on s'est envolé. On s'est envolé ou on est parti en bagnole? On est parti en bagnole. Ouais, on veut plus rien. Franchement, on s'en contrefout. Hein. De toute façon, il s'est rien passé pendant le trajet. Donc, on est arrivé là-bas. On s'est rendu directement à la maison de ce japonais bizarre qui a disparu entre-temps parce que ben, c'est comme ça, c'est magique. Et donc, du coup, on a commencé à fouiller sa maison. Tout ce qu'on a trouvé, c'est la photo qu'on voit là à l'écran actuellement, qui le représente avec des mecs de la Geniosha. Donc on sait qu'il fait partie de la Geniosha, c'est plus juste des suspicions. Et D'ailleurs, je est-ce vous qu'on mets avait cette trouvé quelque photo. chose Mais d'autre? on n'a jamais douté qu'il ne faisait plus partie de la Genyosha, qu'il n'a jamais fait partie de la Genyosha. Par contre, il est revenu et c'était un ancien de la Genyosha, mais il était censé avoir C'était un plus ou membre moins mineur. Ouais. quitté ses fonctions. C'était, n'oublions pas, un membre mineur. Mais du coup, eh ben, peut-être pas. Et donc, du coup, ça s'est terminé sur. J'étais à l'extérieur et j'ai vu un monsieur étrange avec un imperméable qui s'avère que peut-être cette personne en imperméable suivait Cutter Sane pour des raisons que je ne sais pas parce que je n'ai pas écouté le résumé pour ne pas me faire spoiler. Et comme ça, eh ben, si jamais il se passe quelque chose, j'aurai une bonne excuse pour te laisser t'énerver.
Ah, mais pour une raison que Cutter Sane ne s'explique pas lui-même. Avec la chance que ce qu'on a, c'est un monsieur qui va te choper dans une allée, qui va ouvrir son grand imperméable et qui va te sortir une masse de tentacules dégueulasses. Oui, ou alors sa bite, mais ce serait plus inquiétant. Oui, je ne sais pas. C'est je sais pas lequel chacun, je préfère. Franchement, c'est la boule de ton saute aussi sec. Non, mon dieu, non. Tanaka, Tanaka. Il prend moins 5 de santé mentale et il devient fou parce qu'il a vu un pénis. T'imagines, c'est voilà. Tanaka. Et donc, Tanaka, Tanaka. Je crois. Tanaka, Tanaka. Je crois qu'on s'était arrêté sur. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai dit que j'avais vu le monsieur Limper. Cutter a dit qu'il avait aussi vu le monsieur Limper, mais une autre fois. Et notre agent de Légion était en mode mais on s'en bat les couilles. Rappelle-moi comment s'appelait cette série que j'adore, c'est pas Man From Nowhere, mais c'est quelque chose, elle a un titre un peu chelou. Celle avec Tanaka. Man Seeking Woman. Hmm Man Seeking Woman. Ah, Man Seeking Woman, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, j'adore cette série. Elle a été arrêtée beaucoup trop tôt, malheureusement. 3 saisons, ouais. Ouais. Alors qu'elle méritait d'aller beaucoup plus loin pour moi que pas mal d'autres séries. Bref. Meilleur que mettre sur Mother. Bon, il y a un rapport évident entre un mec à l'impair et le titre de la série qui s'appelle Man Seeking Woman. Non, c'est parce qu'en fait, il a juste fait Tanaka Tanaka, et Tanaka Tanaka, c'est une référence à, je crois, l'épisode 2 ou l'épisode 3 de la première saison. Ouais. Où en gros, le héros, il a une meuf, et sa meuf décide que c'est son ex, je crois, qu'elle lui présente. Et son ex, c'est un espèce de poulpe hentai tentacule avec des zboobs au niveau des tentacules et qui fait Tanaka Tanaka. Maintenant je sais, d'accord. Pour YouTube, je vais linker ça. Attendez, je vais vous la mettre. Ah, c'est vrai que c'était l'épisode sur Cupidon là, c'est ça? Me semble, ouais, il me semble. Et pour moi, c'est vraiment une bête de série, quoi. Enfin, c'est ouais, super bien écrite. Ouais. C'est vrai. Attendez, on divague un peu, mais laissez-moi retrouver Tanaka. Mais du coup, je crois qu'on s'était arrêté sur. On s'était arrêté sur la fouille et ce qu'on faisait ensuite. Et moi, j'avais dit que je voulais aller visiter un peu la ville, etc., etc., et que ça ellipsait en fait. Tandis que Lawrence West essaye désespérément de reprendre le fil rouge. Ah non. Ah mon dieu. Ok, d'accord. C'est un peu perturbant. Oui, c'est son axe. Ouais. C'est quoi le nom de la série pour que je regarde? Man Seeking Woman. C'est très drôle, c'est vraiment une excellente série. J'appelle pas ça un poulpe. Hein. Non, je t'avais dit un poulpe hentai, parce que clairement le truc qui ressemble à un zob et le bout de ses tentacules c'est des zobs. Donc, clairement, oui, c'est. Dans le petit foutage. Mais j'essayais vraiment de définir le l'ex, quoi. Enfin, il me semble, mais sa copine est même pas japonaise en plus, il me semble, si. Non, c'est juste du grand random. Mais de toute façon, cette série est random. T'as un moment où il sort avec un troll. Ouais, c'est genre littéralement un troll, quoi. Ouais, ça doit être le premier épisode. Ouais, j'adorais son pote aussi. Faudrait que je la revoie, cette série, tiens, par plaisir. Donc ça sent le... Je vais télécharger et puis je vais mettre leur site dispo sur le... Bah, YouTube, regarde Man Seeking Woman. Voilà. Ah ouais, franchement, oui, YouTube, série, ne te prive pas de ça. C'est une excellente série. Tanaka. Je crois que c'est vraiment genre l'épisode 2 ou l'épisode 3. C'est te dire à quel point la série, elle pose ses couilles sur la table dès le début. Elle te dit, bah voilà, ça va être ça, quoi. Il y a un épisode de fin du monde aussi excellent. Je crois que la saison 3 est la moins ouf de toutes, en vérité, il me semble. Bah, c'est celle où il a sa copine et c'est un peu moins bien. Ouais. Bref, on a un peu du mec. Mais là, c'était littéralement de ta faute, mon petit balin. Je suis désolé. Ouais, bah pour une fois que c'est moi. Laissez-moi. Laissez-moi. Moi, dans mes souvenirs, vous vouliez aller, je crois, au restaurant de ramen ou vous vouliez faire autre chose. D'ailleurs, juste avant, juste avant qu'on ne commence et tant qu'on est sur les déviations, mais en effet, on voulait aller au restaurant de ramen, hein, je te le dis totalement, mais c'est parce que j'y pense. J'ai découvert via Thiers un restaurant à Paris, au Sentier. Juste à côté du Jeffries, donc vers Châtelet-Léal, qui est une sandwicherie qui fait des cocktails. Donc là, on pourrait se dire bizarre, tu vois, à partir de 19h, ils font des cocktails. Et en fait, c'est un espèce de bar à cocktails où ils font des grilled cheese, donc tu sais, des espèces de trucs triangles où t'as du fromage fondu à l'intérieur et tout, avec du bacon mariné dans le rhum. Des croque-monsieur sans jambon, oui.
Ouais, non, non. Il y a du bacon mariné dans le rhum et il y a plein de trucs dedans et c'est trop ouf. C'est, ça a l'air trop, trop, trop bon. Absolument trop bon. Et en plus, ils font d'excellents cocktails. Putain, j'y descends tous les matins, Châtelet Léal. Et ben bah voilà, bah, il va falloir que tu chase Mabel, ça s'appelle M-A-B-E-L. S'il y a des Parisiens qui nous écoutent et qui ont envie de tester. C'est en sortant du Forum des Halles. Hein. Mm-hmm. Ok, d'accord. Bah, c'est le sentier, c'est vers le Jeffries après. Je me souviens mal parce que moi, j'ai toujours confiance à Google et puis jamais confiance à mon sens de l'orientation. Qui est très foireux quand on est à Paris. Encore plus foireux que d'habitude. Parce que tu n'y travailles pas. Bon, bref. En effet, je travaille en banlieue. Putain, mais on dit vague. Excusez-nous. Hein. Vague. Après, putain, j'ai séché les cours aujourd'hui, je peux te jurer que j'en peux plus, moi. J'ai étouffé, quoi. Je ne survivais pas. Voilà. Bref. Pour revenir à la partie, vous aviez appris aussi qu'il y avait un certain Nori Onishi qui était un mafieux. C'est ça. Plus ou moins. Vous ne savez pas trop, c'était pas très clair. Non, en fait, on savait que Mitsuru. Non, attends. Putain, j'ai retenu les noms. Putain, mais vous êtes tellement fort. Yoshinori Otaru avait un potentiel lien avec un gang de San Francisco dont le leader était quelqu'un qui s'appelait le Wakai. Oui. Et cette personne-là avait des liens avec Nori Onishi qui était un ancien membre de la Genyosha. Voilà. Et vous aviez appris qu'il avait un club aussi à San Francisco, le Tokyo Club. To San Francisco. Donc, on reprend. Où voulez-vous aller ? Eh bien, écoute, moi, en tout cas, j'avais défini que j'allais au restaurant de ramen et que j'étais accompagné de Paul Mangano, ça, je m'en souviens. Mm-hmm. Pour le reste, je laisse Laurence West décider s'il veut nous suivre dans cette expédition ramenaïque ou s'il décide d'aller... Moi, j'aurais dit culinaire, mais après... Moi, ce que j'aimerais bien... Pastafarienne, c'est mieux, ouais. C'est vrai que j'aurais dû dire pastafarienne. Pastafarienne, normalement. Rastafari. Il était l'heure. Il était à peu près midi, hein. On avait l'après-midi pour nous. C'est ça. Ok. Je vais vous accompagner pour le repas, et puis après... Après, on verra. Mais je pense que je sais où je vais après. Ouh. Ça se sépare, déjà. Comme ça, ça évitera que si on se sépare plus tard, on soit dans la merde. Ah bon ? Ça se sépare à l'armurerie. Clairement, Laurence West, il a une volonté, il a des résurgences d'anciens personnages. C'est ça. Non, c'est pas ça. Je voudrais effectivement passer à l'antenne locale du FBI, mais ce serait plutôt dans une optique d'aller chercher du matériel. Typiquement, je voudrais des petits billes s'il y a moyen. Parce que j'aimerais bien. Organiser une contre-filature de Cutter pour essayer de choper le mec à l'imperméable, parce que du coup je suis très curieux de voir ses tentacules, quoi. Ah bah non, on va trop briefer sur Tanaka. Tanaka. Potentiellement, en fait... Ah oui, il est de bonne nasale, genre Tanaka. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est si jamais on arrive à le choper, c'est l'interroger, parce que typiquement, je veux voir comment est-ce qu'il cause. Parce que s'il fait des c'est que potentiellement il aura des questions intéressantes. Exact. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Salopard. Tu le tues. Ah bah, s'il a pas le toc, c'est qu'il connaît rien et puis on peut le Comment dire. Allez-vous, monsieur Gaspard? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, je vous reconnais, vous êtes. Et j'ai oublié le nom du perso, ça me rend fou. Comment il s'appelait déjà? Omar. Non. Mais non, l'anglais qui... Mais non, c'était un anglais, pas un allemand, pas du tout. Non, l'anglais de... Liam Pierce. Liam Pierce, ouais, c'est un... Je reconnais, vous êtes Monsieur Pierce. Je pensais que tu parlais de celui que t'avais dessoudé quand il sortait de chameau pour l'expédition. Ah, les bons moments. Hein. Surtout que je l'ai dessoudé deux fois, celui-là. C'est vrai. Vraiment, il n'y avait aucune pitié, quoi. Je ne vous ai pas déjà tué, vous savez. Ah, putain. Cette mission m'avait vraiment fait penser à un épisode d'OSS 117, soit dit en passant. Ah, il y avait un peu de ça. Il y avait beaucoup de ça. Il manquait plus qu'un peu de mépris, et puis c'était bon. Bref, restaurant de ramen. Je suis désolé si vous entendez des bruits de chat.
Non, non, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ce genre de bruit que tu vas entendre. C'est... J'ai laissé la fenêtre ouverte et du coup, cet enfoiré, il chope les papillons et il me les amène pour que je m'en occupe. Parce qu'il aime pas les tuer. Et du coup, mais il me miaule dessus pour que je m'en débarrasse. Ne tue pas. Si jamais vous entendez des bruits, c'est la faute du poilu. Alors, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Est-ce que je peux effacer le point que je viens de faire ? Merci. Restaurant de ramen. 18h56. La vache, on a mis du temps à y aller. La marche était très longue. Est-ce que vous entendez la musique ? On l'entend parfaitement. Ça marche, ok. Oui. Oula. On voit encore mieux là. Ah, elle est très cool, celle-là, moi j'aime bien. C'est pas la musique. Ouais, je sais. Ah non, elle est bien, elle est bien, elle est bien, celle-là. C'est quoi, du coup? C'est un musicien qui fait des musiques un peu sur le thème du Japon. Je te linkerai ça. Tu peux le voir dans... Oui, tu peux le voir. Jukebox, hein. T'as le détail et tu l'as mis pour aller... Ah, mais oui, putain, je savais que je la connaissais. Ah, 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 chais Elijah Nang, il en a fait une que j'aime beaucoup. Alors, attends... Enfin, je baisse le son, mais sur fort. Non, c'est bien pour moi. Ah, putain, c'est. T'as Song of the Samurai que j'aime beaucoup. Est un bête d'album. Pareillement, si on peut le conseiller à YouTube, c'est celui-ci. Voilà. Et il existe sur YouTube. Et je trouve l'anime derrière qui est assez fabuleuse. L'album s'appelle Gaijin. Bah, j'ai pris Gaijin 2. Moi, tu vois. Non, je suis pas Gaijin 2. J'ai pris son dernier album en fait. Mais en tout cas, Gaijin est très très cool. Ouais. C'est un des trucs que je préfère. Je l'ai linké sur le serveur Discord, celle-là. Ouais, ouais, je l'ai linké plusieurs fois parce que j'en suis très très fan. Ouais, c'est ultra cool, ça passe. C'est smooth. Eh bien, vous arrivez au restaurant de ramen qui s'appelle Ryujin. Je... Petit restaurant je suis maintenant... qui paye pas de mine. Je suis maintenant familier des établissements de restauration. Donc, je pousse la porte, bien décidé à déguster en même temps qu'enquêter. Vous avez une odeur très appétissante qui vous accueille. Une odeur de fumée. De fumée ? Ouais, de ramen. Non, un fumet, d'accord, un oui, fumet, pardon, excuse-moi. Je parle un peu du nez, excuse-moi. Vous avez un jeune homme derrière un comptoir qui fait cuire des pâtes, qui s'affaire. Il n'y a pas de client. Bah, qui ? Il y a vous. Il y a vous, c'est vrai. Du coup, il vous lance un regard. Je m'attable et je fais « Mais en scène !» Il ressemble à ça. Vous voyez qu'il a un petit accent anglais, un petit accent, pardon, japonais quand il vous parle. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bien, bonjour. Vous souhaitez manger pour trois ? J'ai un regard des deux côtés, puis j'acquiesce, du coup. Moi, j'acquiesce, bien évidemment. J'acquiesce toujours silencieusement. Pour l'instant, je suis dans l'observation. Vous voyez qu'il toujours il s'affaire sur ses ramen. Il les sort d'une passoire. Il les fait... Il les met tout de suite dans un espèce de petit bouillon, dans un espèce de bol. Ça sent très bon. Vous voyez qu'il commence à découper un espèce de légumes blancs et roses. Alors, j'ai une question pour toi, mon très cher Bana, et ça s'appelle un radis, oui, on avait compris. Mais. Oh, le mépris. Mais. Juste. Vous commencez déjà à me fatiguer. Ça va être très long, j'ai eu une journée très longue, soyez sympathique avec moi, s'il vous plaît. Donc, si j'ai l'air de mépriser, je ne méprise pas, c'est pas du tout ça. C'est juste que je suis fatigué. Est-ce que je peux te redemander le nom de l'homme qui avait disparu ? Yoshinori Otaru. Je te l'écris. Yoshinori Otaru. Hop là. Comme ça ? Non, sans le H. D'accord, le H en moins. Ok. Très bien. Deuxième question vitale. Lorsqu'on était arrivé, on avait dit qu'on se faisait passer pour des policiers. Je sais pas si tu te souviens. On avait demandé à notre officier de liaison.
on se faisait passer pour des policiers, je t'avais demandé si la voiture était banalisée, etc. Est-ce que, hypothétiquement parlant, on peut avoir des plaques de police, même fausses, ou non? Fais moins jet d'organisation. Je te le fais immédiatement, bien évidemment, car je suis quelqu'un de très organisé. Et j'adore cette putain de musique, elle est vraiment très cool. Organisation, c'est dans... Organisation. C'est une compétence générale, organisation. Ouais, je la cherche. Check. Discrétion, mêlée, sixième sens, conduit. Putain, je l'ai pas, bordel, où est-ce qu'elle est? Organisation, sense, trouble, sanity. C'est en bas à droite. Elle est en bas? Tout en bas. Arme à feu, conduite, organisation, merci. T'en as qu'un, mais il est un petit peu abîmé et pas vraiment reconnaissable. Dans le carton, tu sais. Ça peut passer ou pas. Je connais un petit peu les faiblesses de ce truc-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte qu'il soit visible de l'intérieur de mon veston. Mais tu sais, par glimpse, par un coup. Ouais, voilà. De façon à ce que lui puisse pas trop dire qu'il est. Que c'est un, enfin qu'il est pas un faux, que c'est pas un faux, mais que c'est un vieux badge. Ok. C'est possible. Est-ce qu'il faut que je dissimule pour ça ou pas? Ouais, vas-y. Discrétion, qu'est-ce que tu veux? Camouflage. Vas-y. Camouflage. J'ai pas entendu. Camouflage. Ouais. Ok. Ça passe. Donc du coup, je fais en sorte que cet insigne soit visible, mais sans que j'ai l'air de le rendre visible, si tu veux. Juste pour que... Ouais, qu'il voit un petit peu l'insigne et hop, voilà. Basta. Ouais, ça marche. Qu'il voit l'insigne et que ensuite son esprit processe qu'on doit être flics tous. Ok. En gros. Oh, des agents de police Putain, ils le processent super vite. Ah bah... Ouais. Écoutez, vous venez pour voir Monsieur Otaru? Pour manger un morceau, surtout, mais... Tu le vois un petit peu interloqué, il dit... Oh, excusez-moi, mais c'est notre établissement n'accueille pas, même jamais, de policiers. Ils préfèrent tous aller au diner, au coin de la rue. C'est leur erreur. Mais, ah, très bien. Installez-vous. Mais je vais laisser Laurence West et Paul Mangano essayer de développer sur Otaru. Je vais me mettre en retrait un petit peu. Genre, j'ai fait ce que j'avais à faire. My job is done. nous avons le menu, regardez, nous avons plusieurs bouillons, plus ou moins huileux, à votre convenance. Je commande un bouillon un peu au pif. Hein. Ok, lance-moi un des 6. Tu as trouvé avec un truc immonde. Hein, ok. Il est pas du tout huileux, il est très peu huileux. Donc pas trop Moreno concentré. Ramendes. Ou toi Paul, il est chargé. Il est bien épais le bouillon. L'homme, il a de l'huile, tu sais. C'est ça. On n'est pas autour du Covid, donc on pourrait changer après. Est-ce que tu lances un D6 sur... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la carte? Oh, nous avons du porc. Avec un peu de riz. Du tonkatsu. Il porte tonkatsu. Je vais prendre ça. Ah, très bien. Je vous fais ça. Installez-vous. C'est peut-être le porton katsu se prend très bien avec une biru, probablement. Biru. Avec une biru, ça passe très bien. Tout se passe très bien avec une biru. Ah, je te jure que le ton katsu avec la bière, putain, donc quand on était à Tokyo avec... putain, qu'est-ce que j'ai pu m'en enfiler de ça. Ton katsu bière, c'est... excellent. C'est la base, mais c'est vraiment la base. Dans n'importe quel izakaya, c'est la base. Donc pendant qu'il s'affaire à vous préparer votre déjeuner, est-ce que vous discutez un peu avec lui ou... Dans l'air absent, je vais quand même faire un peu le tour de l'établissement du regard.
Ah, Fiji Bass, c'est ce que j'allais dire en fait. En gros, je laissais les autres discuter et je me penchais sur le regard, si tu veux. J'étais parti pour repérer d'éventuelles traces, effectivement, de Yoshino et de Toru qui auraient été plus récentes que dans celle de sa demeure. Bah, en fait. Pareillement. T'as même pas besoin de regarder puisque le cuisinier vous dit. Excusez-moi, excusez la non-présence de Monsieur Otaru, c'est lui le chef cuisinier, je ne suis que son assistant. Et il n'est pas là actuellement ? Non, ça fait 2 jours que nous ne l'avons pas vu. Sa femme s'inquiète, elle est venue au restaurant, je n'ai pas su quoi lui dire. Sauf que je ne l'avais pas vu depuis 2 jours. C'est habituel, ces absences ? Aucunement, non, c'est lui qui fait tout le temps l'ouverture, la fermeture du restaurant, c'est... Je ne comprends pas, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. La police enquête... D'ailleurs, vous enquêtez, j'imagine, c'est pour ça que vous êtes venu. À dire vrai... Nous ne nous sommes pas arrêtés juste parce que le fumet était bon, mais... Pour savoir, oui, je m'en doute. D'ailleurs, à ce propos, je me souviens que j'avais analysé la vaisselle qui était restée dans la maison de Monsieur Otaru. Je voulais savoir si ça concordait au niveau du temps de passage entre le restaurant et la maison. Ah, c'est tendu, ça, ce que tu demandes. Bah, techniquement, il me semble qu'on avait réussi à évaluer... par rapport à la vaisselle qui était restée. Combien de temps il était absent, mais il me semble que ça faisait à peu près 2 jours qu'il avait été absent. Ben, je me souviens plus, justement, il me semblait que c'était plus long que ça chez lui. Donc, non. Parce qu'ils étaient en déménagement, si. Ouais, parce que si tu te souviens bien, dans l'évier, il y avait le poulet qui était encore... Il y avait des odeurs et tout, et c'était encore genre... c'était pas chaud, mais ça avait été lavé il y a pas si longtemps que ça, et c'était genre des plats de poulet, il était parti un peu précisément, etc. Hein. Et la maison, il n'y avait pas de poussière, c'était pas une maison abandonnée, quoi. Donc qu'il soit parti depuis 2 jours, c'est même si ça lui est pas habituel, c'est... dites-moi, lorsque Otaru a disparu, il n'y avait pas quelqu'un qui rôdait, quelqu'un de suspect qui aurait pu, que vous auriez remarqué autour du restaurant, quelqu'un qui semblait le suivre? Bah, j'ai dit à la police que ces derniers temps, il recevait la visite d'un homme, d'un japonais comme nous, assez souvent. Souvent, ça s'engueulait. Est-ce qu'on a la photo avec nous? Ça, c'est une question. Est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, avait pensé à prendre la photo, tu sais, l'ancienne photo là, où il y avait tous les membres? Ah, personne ne l'a dit. Techniquement, non, j'en ai récupéré une autre d'Otaru. Moi, ma règle, en fait, c'est si vous n'avez pas pris la décision vous-même de la prendre, vous pouvez tenter un jet d'organisation pour essayer de l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut tenter un jet d'organisation pour essayer de l'avoir? C'était moi qui l'avais dans les mains, donc ouais, je peux. C'est mon jet de chance à moi, quoi. C'était mon jet de chance à moi. C'était mon jet. Pourquoi se lance pas la musique? Eh ben non. La réponse est non. Je l'ai filé à montrer à notre ami. Ouais, il me semble que c'est notre officier de liaison qui l'a de toutes les façons. Ouais. Du coup, est-ce que vous pourriez nous le décrire? Oh, un homme très bien habillé, en costume, très bien apprêté, souvent en costume blanc d'ailleurs. Est-ce qu'il souffrait d'alopécie? Pas du tout. Plutôt jeune. Oh, je dirais, j'ai dit dans la quarantaine au policier. Je sors un petit calepin et je fais mine de noter. Ouais, je note, mais en vérité, c'est juste pour accréditer le personnage du flic qui note. Elle s'engueulait souvent à propos. Enfin, je sortais quand il arrivait puisqu'il me faisait un petit peu. Elle avait une attitude un petit peu étrange, je trouve. Mais je saisissais quelques bribes de paroles, notamment... Est-ce qu'il ne s'engueulait pas à propos d'un livre? Il y avait de ça, mais ça parlait surtout du passé, d'un passé commun, apparemment. Je vois.
Depuis combien de temps avait-il eu la visite de ce japonais, ce compatriote? Depuis un mois, je dirais. D'ailleurs, monsieur Otaru était de plus en plus tendu à chacune des visites. Il m'a même avoué à demi-mot qu'il pensait quitter la ville. Ouais, donc potentiellement... Est-ce que sa femme était au courant? Oui. Elle aussi songeait à quitter la ville, donc. Bah, sa femme essaie de le raisonner parce qu'elle adore cette ville et puis ils ont tous leurs amis ici. Et ce restaurant, c'est tout pour Monsieur Otaru, donc il est parti de rien. Mais du coup, s'il avait quitté la ville, il aurait forcément emmené sa femme. Donc, oui, bien entendu. Mais... Ce n'est pas exactement prémédité. On a trouvé chez eux de nombreux cartons, comme si un déménagement se préparait. Vous êtes donc... On est donc positivement sûr qu'il avait l'intention de quitter la ville. Quand est-ce que vous avez aperçu Monsieur Otaru pour la dernière fois précisément? Décrivez-nous l'endroit, la circonstance. Est-ce qu'il avait l'air stressé, angoissé, quelque chose? Oui, il était tendu. C'était il y a 3 jours. Nous fermions le restaurant. Il m'a dit que je pouvais partir plus tôt et je l'ai laissé faire la fermeture. Et vous êtes parti? Et le lendemain, quand je suis venu faire l'ouverture, je n'ai pas vu la trace de Monsieur Otaru. Le restaurant était fermé, comme à l'habitude? Comme d'habitude, oui. Si enlèvement il y a eu, ça aurait pu être sur la route entre le restaurant et chez lui. Je ne suis pas policier. Non, je partage à mes deux compagnons plus qu'à lui. Hein, c'était... Est-ce que vous nous permettriez de fouiller un petit peu le restaurant? Oui, je vous en prie. Ah, tenez, voici vos bols et votre tonkatsu, messieurs. Bien, autant fouiller le ventre plein. C'est vrai. Est-ce que pendant toutes les questions qu'on lui a posées et pendant que je... les nouilles, est-ce que l'assistant en tout cas a l'air un petit peu nerveux, suspect ou alors plutôt inquiet, concerné, etc., etc. Est-ce que je peux évaluer psychologiquement un peu de quoi il a l'air? Ouais. Est-ce que tu as observation? Est-ce que mes camarades peuvent évaluer ce dont il a l'air? Alors attention, oui. C'est pas parce que vous... Comment dire. C'est pas parce que vous avez un point dans la compétence que vous devez le dépenser forcément. Non, mais pour le coup, c'est juste pour savoir si vous l'avez. Non, mais j'imagine que mes... moi je te dis ça parce que observation je l'ai pas. Mais. T'as pas mis un point dedans, t'es sûr? Ah, si, j'ai un point dedans, si, bah, si, oui, exact. Il me semblait que c'était Rohum et Rohum, j'ai pas. C'est pour ça. Mais après, comme c'est une compétence passive, est-ce que. Est-ce que quelqu'un peut l'évaluer? Peut-être pas moi. Mais après, moi, j'ai un point d'observation, donc si tu considères que c'est bon, je peux le dépenser ou ne pas le dépenser. Si c'est du rhume, moi, j'ai pas observation, je dois avoir. Il faut que je le trouve. C'est bien dans Observation, c'est dans Technical. Ah. C'est tout en bas entre survie, architecture et physique, récupération des données. C'est en bas. Ouais, non. Je peux. T'as pas de point. Si, j'en ai un. En rhume? Non, en observation, Isa. Ah oui. Parce que tu nous as dit qu'observation, c'était correct, mais sinon, Paul, je crois qu'il a du... Ah oui, il a du rhume, Paul. Il a du rhume. Justement, c'était pour ça, si effectivement c'était le rhume, c'était bien pour préciser que pour être au courant. Alors, ceux qui ont observation, vous vous détectez qu'il tremble un petit peu quand il prépare vos ramen et votre tonkatsu. Ceux qui ont rhume, donc toi Paul, tu sens qu'il est sincère avec vous et qu'il est vraiment inquiet de la situation. D'accord. Il tremblote un peu parfois quand il vous parle. Il bégaye des fois, cherche un peu ses mots. Moi, comme j'ai pas rhume, on est d'accord que ce comportement me paraît plus suspect que... qu'honnête. Bah, c'est toi qui vois, hein. Ouais, je vais être mon interprète. Tu le vois trembler parfois quand tu prépares vos bols, toi. Rien de
Il est un petit peu intimidé. En même temps, c'est vrai que c'est le contact avec ce qui est censé être la police, donc j'avoue que... Bon, J'en fais part à Laurence. Laurence, vous qui êtes de la maison, vous avez vu les mains qui tremblent ? Suspect ou... Tu veux dire inquiétude ? Vous parlez devant lui ou... Discrètement, à voix basse, tandis qu'il est en train de nous servir nos bols, quand il se retourne, tu vois. De toute façon, Laurence a l'air d'apaiser mes inquiétudes, et de toute façon, je lui fais confiance, vu qu'il est du FBI, j'imagine que les techniques d'interrogation, il connaît. Interrogatoire, pas d'interrogation. J'ai pour l'instant pas d'autres questions, je vais finir le bol tranquillement. Et messieurs, vous avez des pistes pour votre enquête ? Malheureusement, non, pas pour le moment. C'est entre autres la raison pour laquelle nous passions vous voir, dans l'espoir que vous auriez eu de nouvelles informations à nous communiquer. Cet homme, il l'appelait le Wakai, monsieur Otaru. Ça veut dire jeune dans notre langue. C'est la raison pour laquelle je vous demandais si cette personne-là. Ah, t'as coupé. C'est la raison pour laquelle je vous demandais si cette personne-là était, faisait jeune d'apparence. Ou non. Il l'appelait le jeune, mais cet homme avait, comme je vous dis, une quarantaine d'années, je dirais. C'est un petit peu étrange de l'appeler le jeune, mais... Et il était plus jeune que Monsieur Otaru. Oui. On est d'accord. Oui. Monsieur Otaru a 47 ans. J'ai failli lui demander, est-ce que vous connaissez la Katsuki, mais ça n'a aucun rapport. Quoi ? What ? Est-ce que vous connaissez ça ? je me souviens plus du nom de l'organisation secrète à la con et j'allais appeler la Katsuki. C'est la Katsuki. La Geniosha, mais je vais pas lui demander ça de toutes les façons. Une fois que moi j'ai fini le bol, je vais visiter un petit peu le resto vu qu'il m'a autorisé à aller faire... pareil, j'allais dire, vu qu'il nous a autorisé plus ou moins... Après, c'est du côté de l'arrière-boutique. Moi, je finis mon bol et puis j'essaye d'évaluer ce qui pourrait ressembler à un bureau ou à une quelconque pièce pour la tenue des comptes et j'essaie d'aviser à ce niveau-là. En allant dans l'arrière-boutique, vous remarquez pas mal de stocks de nouilles, de divers ingrédients pour préparer des ramen. Vous voyez une petite arrière-salle. À côté je sors mon badge d'agent de l'hygiène et du coup je fais « Mais mon dieu, mais il y a des rats !» Quel sale con. Tanaka. Il y a des Tanaka. Et donc à côté de ces provisions, il y a une arrière-salle avec un tout petit bureau et une chaise. Et quelques feuilles éparses posées ça et là. Dans un anglais un petit peu approximatif, vous voyez une série de comptes. Comme si Monsieur Otaru faisait sa comptabilité. En tout cas, personnellement, c'est moins les comptes qui vont m'intéresser que tu sais, de tapoter un petit peu partout. Vu que j'ai découvert que ça avait marché, je me dis que ce mec a planqué des trucs un petit peu partout, donc je vais tapoter dans les coins. Pour essayer de voir s'il n'y a pas un mur creux, s'il n'y a pas quelque chose. T'as fait le bureau aussi ? Oui, bien évidemment, pour voir s'il n'y a pas un double fond sur les tiroirs ou quoi que ce soit. En gros, j'inspecte plus les recoins plus que les papiers. Tu passes un petit peu de temps et tu trouves rien du tout, en fait. Moi, de mon côté, j'ai vraiment essayé de me pencher sur le document pour voir si... Dans l'espèce de pattern régulier, dans la manière dont tourne le restaurant, je vois quelque chose qui pourrait sortir de l'ordinaire. Est-ce que tu as comptabilité ? Eh bien non. Alors, tu vas me faire un jet du coup. Alors, attends. Tanaka. Un jet de Tanaka. Arrêtez-vous tout de suite, messieurs. Stop. C'est Jean-Pierre qui avait le. Stop right there. Ouais, bien aidé, mais du coup, démerde-toi. Alors, tu vas me faire un jet de bureaucratie, mais avec une grosse difficulté. Genre, je te l'ai dit de 6.
Oh. Goma. GG. Suffisait de demander. Ça te prend pareil du temps pendant que Cutter fouille, tapote les bureaux. Toi, tu t'inspectes les comptes. T'y connais pas vraiment grand chose, mais t'as quelques notions quand même. Et moi, tu vois une ligne qui t'intéresse. Une soustraction dans les comptes. Qui date il y a à peu près d'un mois. Une assez grosse somme, vu les fonds du restaurant. Pardon, ça me fait trop mal. Tu ne connais pas grand chose, mais tu arrives à repérer une soustraction. Non, mais oui, mais non. Mais c'est... Wow ! Le niveau du mec. C'est parmi toute une ligne de trucs, tu vois, faut vraiment faire attention, quoi. Ah, bien sûr. Et donc, c'est une assez grosse somme, puisque les fonds du restaurant sont à peine de 10 000 dollars, et tu vois que. Comme si on avait emprunté 5 000 dollars, pardon. Donc la moitié des fonds, il y a à peu près un mois. J'arriverai à tracer quel est le destinataire ou... Non, mais ça a été retiré en liquide, tu vois. D'accord. Tu n'en sais pas beaucoup plus. Ouais, bah j'en fais au moins part à mes comparses. Cutter, tu trouves rien. Et Paul te dit qu'il a trouvé quelque chose, lui. Je vous entends plus, c'est moi ou... Non, parce que moi, malheureusement, je n'interagis pas, donc j'attends que les deux autres interagissent. C'est si, j'ai dit que je te montrais quand même la... Ah, pardon. Eh bien, écoute, en les regardant... Je me dis que le petit assistant est peut-être au courant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Paul ? Soit cette soustraction vient de lui, et c'est lui qui fraude les comptes de son patron. Soit son patron s'est décidé à se faire la malle et. Si c'est dans la caisse. Alors très curieusement, si ça venait de lui, je pense qu'il éviterait de le marquer sur un livre de compte, oui. Dans ce cas, il est au courant que son patron soustrayait un petit peu d'argent. Ou en tout cas, ça pourrait être utile qu'il l'apprenne. Ah non, mais clairement, ça peut l'air d'être une soustraction sauvage. Ça a l'air d'être un emprunt ou un remboursement assez particulier, on va dire. Si ça a été noté officiellement dans le livre de compte, c'est que... C'est daté de quand ? Je peux voir ça sur le livre de compte ? Il y a un mois, je t'ai dit. Ok. Du coup, j'avise d'un signe de tête, effectivement, l'assistant et... Il y a un mois, c'est la date où est venu le Wakai. Ah. Il y a pile un mois, c'est la date où est venu le Wakai. Il est apparu il y a un mois. De là à penser que les deux sont liés, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Comme bah, César, c'est le Rubicon. J'avise quand même d'un signe de tête au niveau de l'assistant et puis je lui fais vous voyez cette ligne là, j'ai l'impression que c'est un emprunt qui n'est pas redondant sur les lignes de compte. Est-ce que vous savez monsieur Talou, ne me laisse jamais faire la comptabilité. Laissez-moi voir si vous voulez. Bah, je lui montre le livre de compte et je tapote du doigt la ligne en question quoi. Est-ce que vous auriez constaté quelque chose d'inhabituel il y a un mois sur les activités du restaurant Du jour au lendemain, c'est vrai que la clientèle a commencé à baisser. On a eu de moins en moins de clients, comme si on avait reçu de la mauvaise publicité. Et c'est vrai que maintenant j'y pense, oui. C'est pile il y a un mois, en effet. Je pensais que c'était la saison, surtout, que les gens ne voulaient peut-être pas de ramen. En plein été, et que ça a l'air repartir. C'est quoi votre clientèle ici? Plutôt une clientèle d'habitués, japonais majoritairement. Oui, tout à fait, oui. Quand est-ce que c'est la dernière fois où des japonais ne sont pas venus manger les ramen? Je veux dire, si vous avez une clientèle d'habitués. Ça fait bien 3 semaines. Bon, ça fait 3 semaines que vous avez plus d'habitués ici? Oui. Est-ce que vous savez s'il y a eu des rumeurs dans la communauté?
s'il s'est passé quelque chose, si... 3 semaines que vous avez plus personne, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, on entend des bruits de couloir, mais bon, on n'y fait pas vraiment attention. Monsieur Otalo est quelqu'un de très fier et il ne s'arrête pas à ce genre de petits détails. C'est toute sa vie, ce petit restaurant. Et je suis d'accord avec lui et son héritage. Et... J'essaierai de le mener à bien, s'il faut. Vous parliez de bruit de couloir, de quoi s'agissait-il en particulier? Non, mais que la nourriture n'était pas bonne, que nous faisions... Nous avions des stocks avariés, ce genre de choses. Monsieur Otaru avait-il un lien avec la mafia? Tu vois qu'il se recule un peu? Non, enfin je ne pense pas. Enfin, j'espère que Monsieur non. Monsieur Otaru payait-il des... La sommes pour se faire protéger? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez regarder ça, Paul? Est-ce qu'il y a une somme qui sort de manière régulière sur les livres de compte? Je me rapproche un peu dessus pour voir si je trouve quelque chose qui pourrait... Des irrégularités, pourrait... n'importe lesquelles? Bah, la seule irrégularité que j'ai trouvée, c'est celle que je t'ai présentée, mon cutter. Fais-moi un jet de bureaucratie. C'est une grosse difficulté. C'est difficulté 8. Non. Non, tu trouves pas. Mais non, monsieur Otaru est quelqu'un de très honnête. Enfin, je ne sais pas. Pas de visite suspecte, rien. Non, à part le wakai, mais sinon. Hein. Jamais monsieur Otaru ne vous a demandé à certains moments indus de ne pas faire la fermeture. Mis à part la dernière fois où vous l'avez vu. Jamais, non. Vous avez toujours fait la fermeture avec lui? Oui, les 3/4 du temps, je la fais avec lui. Et le 1/4 restant? Bah, il est seul. Et c'est 1/4, c'est quand, exactement? Bah, ça dépend, c'est monsieur Otalo qui me dit s'il a besoin de mon aide ou pas. Je ne dis pas non à un peu de repos. C'est pas vous que je critique. Encore une fois. Non. Je cherche juste à comprendre pourquoi monsieur Otalo... J'entends bien, monsieur l'inspecteur. Super bien. Putain, non, ça c'est pas du tout ce que je dis. Et là non, je suis sourd. c'est vraiment Cutter Sane, donc si, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qu'il pourrait dire en mode agacé. Donc si, ouais, vas-y. Bah, il faut peut-être jeter un. Enfin, tourner vos. Enfin, chercher du côté du Wakai. C'est un autre nom que Wakai pour ce monsieur? Je crois que monsieur Otaru l'appelait Onishi. Quelqu'un que sa femme pourrait connaître? Peut-être. Il l'appelait Onishi-sama. Où est-ce que sa femme réside en ce moment? Je crois qu'elle est chez sa sœur actuellement. Vous auriez une adresse? Non, je suis désolé par contre. Paul Laurence, ça doit pouvoir se trouver au poste? Oui, je pense qu'on s'enseignera au poste. Ça doit être dans le dossier. En vous remerciant, assistant Kun. Parce que j'ai oublié votre nom. Vous n'avez pas demandé surtout. En vous remerciant. En fait, on est trois connards. Hein. Quel est votre nom? On est policier, c'est un japonais. Ah oui, pardon, je me suis pas présenté, je suis Kei Utaka. Kei Utaka. Kei Utaka, je vous l'écris. Restez dans la ville, Kei. Oui, tout à fait, de toute façon, je m'occuperai encore du restaurant jusqu'à ce que monsieur Otaru revienne. Vous êtes tenu de rester à la disposition de la police, je ne vous ferai pas la fronde. Oui, tout à fait, assurément. Bien. Et merci pour les ramen, ils étaient très bons. Hi. Tu vois qu'il incline la tête. Tu veux pas lui laisser un pourboire pour caler un meuble? Moi je suis parti, mais tu peux lui laisser un pourboire. Non, parce que t'as quand même une...
Ah, moi je suis parti, hein. Tu vois, t'as la porte. Dring, dring. Je vais laisser un pourboire quand même. Mais ça m'étonne que tu n'essaies pas de répandre la culture et. Non, non, ils sont japonais, ils n'ont pas d'honneur. Ils n'ont pas d'honneur, les japonais. Ou ils en ont plus que toi, peut-être. Ouais. Ils en ont beaucoup plus que moi, donc c'est juste que moi je sors en mode. En mode balèque. En mode balèque. Ok. C'est que Thorstein qui essaie d'incarner le rôle du policier, quoi. Donc, il y a un policier américain. Il s'est plongé dans un de ses personnages de fiction. Où allez-vous ensuite? Un peu hard-boiled. Je proposerais bien la sœur, en tout cas pour Paul et moi, si Laurence veut faire. Oui, du coup, je vais faire un détour pour voir ce que je peux obtenir comme matériel. La femme, pas la sœur. Auprès de la l'antenne locale du FBI. Ok, alors attendez, je vous bouge. Je vous remets là. Hop. Je te laisse gérer Laurence avant. Paul, qu'est-ce que tu penses d'aller faire la femme? Enfin, d'aller faire la femme. D'aller parler à la femme chez la sœur, du coup, juste avant. Ouais, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. J'ai l'impression que notre piste est toute droite tracée du côté de San Francisco. Ah bah dans ce cas, on accompagne Laurence. Why not, ma foi. Moi, sinon, j'ai bien une autre proposition, mais elle est peut-être un petit peu off the book. On est toujours mon enquêteur. Écoutez, clairement, il y avait une affaire un petit peu mafieuse de ce côté-là. Pourquoi pas revenir le soir juste avant la fermeture et grimer, prétendre qu'on n'a pas été payé et qu'on est de la mafia de San Francisco. Grimer nous-mêmes. Afin de rentrer dans le restaurant. Afin de pénétrer dans le restaurant et surtout afin de pressurer alors, peut-être un peu plus et de trouver les livres de compte. De trouver ce que nous cachent ces livres de compte. De trouver si l'assistant nous a bien tout dit. J'ai malheureusement l'impression que le pauvre en savait pas beaucoup plus que nous. Ce sera pas une perte de temps plutôt que de foncer tout droit sur le bon nightclub de ce monsieur Wakai. Tokyo Club, il s'appelait. Tokyo Club, oui. Et dans ce cas, comment suggérez-vous qu'on arrive au Tokishi? Au Niji, au nightclub, je sais plus quoi là. Tokyo Club. Par la voiture déjà, parce que je suppose qu'on est pas sur place. J'ai failli balancer un certes. Évidemment. Voilà. Et là, on est... bien entendu. Pour l'entrée. On va pas se faire passer pour des policiers parce qu'on risque de se faire cramer. Non, effectivement. N'oubliez pas que vous avez votre couverture de marchand d'œuvres occultes. Voilà notre couverture de marchand d'œuvres occultes. Mais j'ai envie d'une couverture un petit peu plus olé olé. Là, c'est le joueur qui parle plus que le Godard. François Gaspard, ça serait peut-être passé. Ah, moi j'ai bien envie de me faire passer pour un membre de la mafia italienne, concurrence. On a un Paul Mangano, quelque part. Paul Mangano, il est pas du tout italien, mon bon monsieur. Ah, je sais pas, Mangano, ça s'en est un peu... Il est un peu irlandais. Non, c'est espagnol. La mafia mexicaine, sicilienne. Cartel mexicain, bonjour. Je sais pas pourquoi je suis parti sur les images. Moi, j'ai décidé que ça serait italien. J'ai vu Joe Pesci. J'ai vraiment envie de faire Joe Pesci. J'ai envie de faire les affranchis. La mafia bretonne. Voilà. Mais non. En vérité, de se faire passer pour des gens concurrents. Mais après, bon, si vous voulez vous faire passer pour des marchands d'œuvres occultes. Bon, ouais. Bref, en attendant, Laurence West. Donc, il y a une des deux solutions où ils vont devoir arriver, ils vont tirer. Voilà. Peut-être pas. Parce qu'ils vont éventuellement se dire qu'il y a des chances que tu leur donnes de l'argent. Et il y a une des options dans lesquelles on a un flingue alien. C'est vrai. Donc, que tu n'as plus. Moi, je l'ai plus, mais Paul Mangano l'a. J'ai toujours, effectivement. Parce que moi, j'ai bien fermé ma gueule. Et lui, il a fermé sa gueule.
Lui, il n'a pas d'honneur, tu vois. Non, mais d'ailleurs, c'était une... Alors, non, c'est pas du tout de l'honneur, c'est juste de la réflexion. Mais à ce niveau-là, moi, j'ai toujours mon Colt 1911 et je sais pas si Cutterson est armé, donc... Je suis armé. J'ai un Colt 1911. Mais pas, il est armé de bouquins, Cutterson. Il en a toujours... Alors, j'ai des bouquins, mais j'ai aussi un Colt, mon jeune ami. Donc, je ferais dire que... Je suis armé, mais je me rappelle aussi qu'on nous a promis des armes et j'attends très fort une Thompson. Donc, mais effectivement, la première chose que je comptais faire quand on était plus en visuel avec je me souviens plus notre commanditaire, comment il s'appelle, c'était effectivement de refiler un second pistolet étrange à notre ami Cutterson. Vous deviez le retrouver au fait, Hobbs. Plus tard dans la soirée, ouais. Mm. Ah, mais si je récupère un pistolet étrange... Ah, est-ce que je peux en renoter un, du coup, dans mon inventaire? Non, Paul, t'avais que le fusil, je crois. Attends, je sais plus. J'avais pas beaucoup. Hein. Alors, j'avais pas le fusil, parce qu'effectivement, je voulais le garder en pièce à conviction, mais il était embarqué par la CIA, je crois. Ouais. Et donc, du coup, on était retourné avec Cutterson pour vider une des caisses avant qu'elle soit récupérée dans les black box. Dans les green box, pardon. Oui, c'est vrai qu'on avait vidé beaucoup. Ce qui fait que, du coup, on s'était retrouvé avec deux pistolets étranges. Lui, il a rendu le sien et moi, j'ai gardé le mien. Donc, du coup, je peux lui en repasser. Hein. Vas-y, j'autorise. Ok. Je dégage. Ah, mais sinon, c'est le tien, t'inquiète. J'ai un Colt 1911, moi, pour me démerder. Hein. Garde le tien. Ouais, vous voulez des armes, vous avez une armurerie sur vous. Oh non. Moi j'attends une Thompson, moi personnellement. Il y a que Laurent West hein, qui. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose à répétition. Bref, toujours est-il que Laurent West va quelque part et qu'en attendant, moi je vais aux toilettes. Donc vous pouvez. Tandaka. Non. Je vais aux toilettes. Ok, Lorenz, tu trouves l'antenne du FBI de Pasadena. On t'accueille. Oh, qu'est-ce qu'un membre du FBI de Virginie fait ici? Vous êtes sur une affaire? Effectivement, je participe à une enquête pour disparition d'un membre de la communauté locale japonaise. Et en fait, il avait des liaisons avec... il y avait peut-être des liaisons avec une organisation criminelle qui bosse dans d'autres états, et du coup je suis à la recherche de potentielles informations si jamais vous avez un dossier sur ce monsieur, si jamais et donc du coup vous êtes en coordination avec Christmas, notre boss. Non, je ne sais pas si vous avez une enquête ouverte de votre côté sur cette personne, mais si c'est le cas, je vais me mettre à jour auprès de votre patron. Écoutez, avant de consulter un dossier, je vais juste vous demander votre carte FBI et votre identité. Du coup, je lui montre. Et... Ah, Monsieur West, très bien. Si vous pouviez patienter une petite demi-heure le temps que je fasse des recherches. Nous avons une machine à café, si vous souhaitez. C'est ainsi que j'ai failli mourir, glissant sur une flaque de bave. Bravo. De ma chienne. Une flaque de bave. J'ai vraiment failli me péter la gueule, mais genre en mode... J'imagine la mort en direct. Oh, merde. Ça va être très... Et donc au bout d'une demi-heure, Lorenz, tu vois là une jeune femme qui t'apporte un dossier assez complet, assez épais, qui te le tend. Et du coup, je lui demande également de remercier l'agent qui m'a reçu, et qui du coup a fait la recherche, je suppose. Oui. Très bien, ce sera noté, monsieur West. Je lui transmettrai vos salutations. Sur ce, nous avons une salle pour consulter les fichiers, si vous voulez. Donc tu vas dans une petite pièce un petit peu mal éclairée, tu as un bureau, une chaise pour t'asseoir. Et donc, tu consultais sur qui, déjà? Bah, notre monsieur disparu. Yoshinori Yotaru? Ouais. Ok.
tu vois que le Trésor public a enquêté sur lui à un moment donné, avec le concours du FBI. Mmh. Puisque c'était un Issei, rappelez-vous. Un Issei, pardon. Donc une première génération de Japonais immigrés. Et du coup, pendant 20 ans, il a été fliqué, littéralement. Ouais, comme tous les autres. Quoi. C'est ça. Et quand il a ouvert son restaurant de ramen, bah justement, le Trésor public a un petit peu enquêté sur lui, pardon. Et notamment sur des fonds qui sont un petit peu apparus de nulle part. Mmh. Il s'est avéré que c'était un collectif de Japonais qui s'est entraidé pour ouvrir pas mal de restaurants en Californie. Okay. Dont un à San Francisco notamment. Il y a la liste des noms ? Ouais. Je vais la copier, on sait jamais. Il y en a aucun qui te parle sauf un, à un moment donné, Nori Onishi. De par hasard. Bah, du coup, je note quand même la liste, on sait jamais. Ouais, c'est tout ce que tu apprends. C'est déjà bien. Et du coup, avant de partir, je retourne. Déjà, je passe à l'accueil pour rendre le dossier. Et je demande en passant si par hasard ce serait possible de faire une réquisition pour du matériel. Enfin, une réquisition, de faire une demande de matériel. Donc, si c'est possible d'avoir. Oui, remplissez ce papier. Toi qui as tout en papier avec. Notez ce que tu cherches et si c'est disponible ou pas actuellement. 3 Tokiwoki standard. Attends, répète, ça a coupé. 3 Tokiwoki standard. Ouais, ok. Est-ce que tu souhaites autre chose HRP. Hein. Écoute, j'aurais bien voulu un tank, hein, mais. Oui, c'est le FBI dans les années 60, ils avaient pas encore le budget. Ouais, bah ça. Non. Bah, fallait faire un perso militaire, t'aurais dit. Mais j'y songerai pour la prochaine fois. Bah ouais. Non, mais si vous voulez des armes ou peut-être des gilets pare-balles, je sais pas. On s'attend pas à se faire mitrailler non plus. Non, mais je précise. Hein. Non, je pense pas qu'il y ait besoin de. A priori, on va être fourni déjà par Delta Green, donc non, je leur fais confiance. Ok, ça marche. Mais écoute, j'espère qu'elle est pas mal placée, mais non. Écoute, on t'emmène dans une salle d'équipement où on te tend en effet une mallette avec 3 Tokiwoki. Eh ben, je signe le papier pour la consigne et puis. Et puis je l'ai. Alors tu sais que par contre, ton boss en Virginie sera au courant. Ouais. Bah, tu m'as pas dit que tu faisais ça un peu en soum-soum, donc. Non, ouais, ça marche. Okay. Je fais ça bien propre, je remplirai un rapport. Écoute, je noterai juste pas certains trucs. Jim Goodman sera au courant, du coup, ton boss. Ouais. Attends, c'est bien ce nom-là. Oula, pas du tout. Si, c'est ça, Jim Goodman, oui. Ok, et eh ben écoute, tu notes 3 Tokiwoki dans ton équipement. Hop, fiche de personnage. Attends. Paul Cutter, vous étiez avec lui du coup ? Ah bah non. Non, il me semble pas. Non, vous faisiez quoi donc ? Il me semble qu'on devisait dans la rue sur est-ce qu'on allait. Ah, oui, c'est vrai. Bah, Lorenz vous rejoint du coup au bout d'un moment. On a perdu Cutter. Ouais, je crois, ouais. Il est peut-être mort en trébuchant sur un. Je crois qu'il essuie de la bave. Cutter ? Tanaka ? Cette tentative d'invocation dégueulasse. Clairement. Ah merde, j'espère qu'on l'a pas perdu pour demain, attendez. Ah ouais, il est mute. Ah oui, du coup. Attends. Ah ouais.
Donc je suppose qu'il est en train de, d'essuyer et puis, il va nous revenir. Bon, on va continuer avec vous deux en attendant. Vous discutez, que faites-vous? Bien sûr que je suis là, oui. Oui. Ah, oui. Excusez-moi, j'ai juste coupé le son 5 secondes. Parce que j'étais parti pour faire quelque chose qui faisait un peu de bruit. Engueuler ta chienne, on a compris. Voilà, on va dire engueuler ma chienne. Oui. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que j'ai manqué, pardon? Bah, que faites-vous, en fait, vous êtes réunis? Eh bien, on se dirige à San Francisco. Enfin, sauf si il nous manque quelque chose. Moi, je m'arrêterais bien sur une armurerie, dans une armurerie sur le chemin, mais après... C'est ce que je disais, normalement. Vous avez Charlie Hobbs à rencontrer. L'agence est censée nous fournir du matos, donc... On va peut-être rencontrer Charlie Hobbs avant de partir. Bah ouais, de toute façon, c'est lui qui est censé nous mener là-bas, non? Oui. Il est censé, ouais. C'est vrai. Après, ne troquons pas la puissance de feu contre la discrétion, c'est ça le problème. Enfin, la discrétion contre la puissance de feu, pardon. Donc, voyons ce que Charlie Hobbs a à nous proposer. Vous retrouvez-vous d'ailleurs? Bah, j'en sais rien. On avait convenu avec lui qu'on se retrouvait devant la maison du Jap. Merci. Il y en a un qui suit, c'est bien. Alors, hop. Je vous avais mis le portrait de Yoshinori Taro et de sa femme. Hop. Ouais, j'avais même récupéré la photo que j'avais glissée dans mon veston. Alors, laquelle photo tu récupères? J'avais récupéré celle qui était... Celle-là? Attends, celle-là, tu me montres laquelle du coup? Non, j'avais récupéré celle à droite. Celle du couple, ok. Ça marche. J'ai récupéré les deux en fait, celle du couple je l'ai gardée sur moi et l'autre je l'ai montrée à Hobbs qui avait dû la garder. Oui, ok, ça marche. Alors attendez, je vous remets. Et non. Hobbs. Ah, il est là. Sa bonne bouille. Est-ce qu'un moment il fait Ah, messieurs, alors, vos recherches ont-elles été fructueuses? Y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? plus ou moins fructueuse, Hobbs. On a appris que... Yoshinori Otaru, ouais, Yoshitaru, quoi. Ouais, c'est comme ça que je l'appelle, on est pas. Yoshitaru, c'est son surnom. Yoshitaru. Yoshitaru, c'est son surnom, c'est contraction de son nom de famille et de son prénom. Yoshinori Otaru a eu plusieurs rencontres depuis un mois avec un certain Wakai. Rencontre qui, selon Paul, concordait avec une disparition de 5000 dollars de ses comptes. Des comptes de son resto. Peut-être un paiement pour une protection. Peut-être... qu'il voulait vraiment se séparer de cette organisation, le génie Osha. En tout cas... Peut-être qu'on le faisait chanter. N'oubliez pas ses cartons de déménagement. Il est possible. Ou peut-être que c'était l'ultime somme à payer pour être enfin tranquille. Toujours est-il qu'il n'a pas dû payer assez. Il a disparu et tout cela augure un bien triste destin pour ce bon vieux Yoshitaru. Je vais l'appeler Yoshitaru parce que j'aime beaucoup ce nom. Vas-y. Est-ce que vous avez encore des choses à faire ici? Mis à part nous dégoter une bonne tripotée d'armes pour aller désinguer la gueule à quelques sorciers. Ah, en parlant de ça, venez voir. Merci. Je lui fais un petit bisou. Mettre un point si tu fais ça. Pas dans la gueule. Non, bien évidemment que je lui mets votre petit bisou. De toute façon, moi, je me fous de sa gueule depuis le début, donc. Bon, j'ai dégoté quelques trucs. Bon, vu que vous êtes pas militaire, j'ai pas pris la grosse artillerie non plus, donc ça va rester léger. Et vous voyez qu'il ouvre son coffre. Il y a des mâles, beaucoup de mâles.
Alors. Et est-ce qu'il y a des femelles? Pardon. C'est navrant. Un peu. C'est honteux. Alors. Si peu. J'ai un Winchester M1997. C'est un fusil. Fusil à pompe, pour être précis. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'entre vous? Oui. Je regarde Laurent West. Je reconnais quelqu'un en vous. François Gaspard m'a parlé de vous. Il te tend la malle, du coup, Lorenz. Voilà, oui. Bah, c'est pour vous, ça. Bon. Sinon, j'ai un Springfield M1903. Toujours un fusil, mais pas à pompe cette fois. Je tends mes petites mimines. Silencieusement. Tenez, c'est pour vous le... Tu vois qu'il allait dire le scribouillard, il se reprend un peu. C'est pour vous, l'écrivain. Écrivain à succès. Et je m'offusque encore que Delta Green ait à me faire manier ce genre d'arme, enfin. Pour écrire, il faut bien vivre. Et je prends. Et enfin, j'ai un pistolet mitrailleur UD M42. Putain de merde, j'aurais dû attendre. Ah mais si tu veux faire un échange, moi ça ne me dérange pas. Je préférerais les relations longue distance. Ah bah les longues distances sont pour moi. Prends le pistolet mitrailleur. Souffre. Ok. Alors dis pas que tu voulais attendre. Ah, c'est parce que ça aurait fait un massif suppressing fire. Ça aurait été très cool. Alors, je répète, je toi, Nihal, tu as un fusil à pompe Winchester M1997. Ah. Je vous dirai les stats après. Ok. 1897. Non, 1897 pour Jimmy. Cutter, tu as donc... C'était où? Non, j'ai pas un pipi. Un fusil Springfield M1903. C'est moi qui ai le pistolet étrange qui fait pipi pipi. Et toi, Paul, tu as le pistolet mitrailleur UD M42. Fusil Springfield 1903. Wow, mais qu'est-ce qu'il nous a filé cet enfoiré? Il est en train de. Il allait chercher des trucs de là. Ah, le bâtard. Ok, donc moi c'est un range et c'est plutôt un rifle. Ouais, c'est un fusil. C'est plutôt un light, plutôt un heavy ou plutôt un very heavy? Laisse-moi regarder. Plutôt un very heavy. Ah ouais, c'est le truc de Orga qui est parti me chercher. Quelle espèce de bâtard. Toi, putain, point blank, ça fait plus 4 par contre. En longue, ça fait plus de... Ouh, c'est violent. Toi, pardon. Lorenz, toi, c'est du heavy. Ok. Et c'est... Attends, je sais pas si t'as la catégorie fusil à pompe. Si, si, il y a shotgun. Voilà, bah shotgun en heavy. Et toi, c'est du heavy aussi, Paul. Alors, attends, laisse-moi regarder. Alors, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Pistol, submachine gun en heavy. Ok. Voilà. Bon, il fallait autre chose. Est-ce que vous auriez des gilets pare-balles? Est-ce que vous auriez quelques grenades avec ça? Et on se calme, Jean-Pierre. Hein. Alors, des gilets pare-balles, j'ai. Et j'ai pas de grenades. On va affronter des sorciers, bordel. Quelques grenades, quelques façons de créer des clés morts, des trappes, je ne sais pas. Vous a-t-on déjà dit que votre meilleure arme est votre intelligence, monsieur Seigne? Ma meilleure arme est mon intelligence, mais toutefois pour la seconder, quelques armes ne sont jamais de trop. Quant à mon intelligence, tu vois sachez qu'elle ne la malle qui t'a donné. Il te fait un sourire. J'ai tellement envie de le décocher un pied dans les couilles. Non mais vraiment genre, je le vois devant moi, tu vois, je l'imagine, il est là, il est en train de me tapoter la malle alors que je lui demande plus d'armes, il fait... Sale bâtard. Oui, cela suffira. Cela suffira amplement. Je m'arrêterai.
Il vous tend 3 gilets par balle, léger. Ok. Ok. Alors attendez, je sais plus si... Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire à YouTube que Hank Bride ne retournera pas dans la... Hank Bride est mort. Non, il n'est pas mort. Il s'est perdu. Dans les couloirs du... Non, c'est pas la bonne série. Dans les couloirs du temps. Ah, il n'y a pas de catégorie. Bah, mettez gilet pare-balles et je vous donnerai les stats plus tard. Ok. Je pensais qu'il y avait une... Bon, c'est pas très... Bon, est-ce qu'il vous fallait autre chose, messieurs? Moi, ça me va. Monsieur Saïd, monsieur Mangano. Grenade. Tout va bien pour moi? Non, tout va bien, bien évidemment. À l'intérieur du crâne de Cuttersen, par contre, il y a des grenades. Et moi, il peut pas s'empêcher, Hobbs, de dire « Monsieur Saïd, vous avez suivi un entraînement militaire, il me semble. » Si vous connaissez ma vie, vous savez que j'ai notamment servi au Vietnam. En Corée, pardon. En Corée, au Vietnam. En Corée, au Vietnam. C'est bien. Oui, c'est la Corée, oui. Vous savez donc utiliser cette arme, je ne suis pas mécontent. Je vous vois plutôt cette Expliquez-moi ce que j'en ai à foutre de savoir que vous soyez mécontent ou pas mécontent. Oh, cette violence gratuite, quoi. Ah, monsieur Sen, je vous donnais du respect et vous le piétinez. Vous pouvez le garder, du respect de la part de, d'être aussi insignifiant que vous, cela ne m'intéresse guère. Sur ce, messieurs. Ouais. Et avant que tu te casses. Je crée pour aller pousser dans ton coin, je te file un toki. Et j'en passe un à Paul aussi. Et je prends le toki. Ok, je prends note. Moi, clairement, pour moi, c'est le mec qui me demande de prendre tous les risques et qui m'accompagne pas. Donc, clairement, en plus, je commence vraiment. Il vous accompagne, hein, il a jamais dit qu'il venait pas. Hein. Alors, certes, il vient, mais en tout cas, Cuttersen commence à se méfier de tout ce qui est hiérarchie. Ouais, ok. De la. Ah, fais chier, ça y est. Green. Delta Green. Delta Green, je te remercie. C'est quoi le jeu de rôle auquel on joue? Je sais pas. Ah, c'est Donjons et Dragons! Où est-ce qu'ils sont, les dragons? Il y a marqué quoi sur mon livre? Il y a marqué quoi? On sait jamais, joue à l'agence Cthulhu. Non, mais j'arrivais plus à retrouver le nom. J'étais parti sur Greenbox. J'allais partir dans pas longtemps sur. Oh, et une dernière chose avant que nous partions. Vous voyez qu'il va. Pardon. Cherche mes mots. Il va à l'arrière de la voiture. Pas dans le coffre. Et il en sort un... espèce de grosse mallette, grosse valise. Il fait... tenez, ça c'est le masque. Faites-y attention. Le fameux. Vous voulez dire qu'il faut qu'on évite de le mettre sur la tête de quelqu'un? Ce serait mieux en effet. À moins que ça soit sur la tête de ceux si qui vous nous marrent. Si vous le feriez, je vous tirerai une balle en pleine tête. Il dit ça, son regard a changé, il dit ça tout à fait sérieusement. Et... Néanmoins, si le masque atterrit sur la tête d'un de nos ennemis, vous ne nous en voudrez pas. Je tirerai quand même dans la tête. Dans la tête de celui qui a le masque. Oui, bien entendu. Voilà. Nous sommes bien d'accord. Vous avez fait la guerre, vous aussi Tout à fait. Laquelle, par curiosité? La Seconde Guerre mondiale. Quel front? Pearl Harbor. J'ai bombardé sur les côtes japonaises, Nagasaki notamment. Vous étiez à Pearl Harbor, vous êtes fait bombarder par les Japonais, non? Oui. Respectable. Vous remontez dans mon estime, Ops. Enfin, vous partez de très bas. Heureux de l'entendre. Vraiment, c'est la pique finale. Enfin, vous partez de très bas. Allez, hop. Bon, sur c'est quand même déprimant ce concours de bites. Hein. Un petit peu, ouais, je trouve. C'est pas un concours de bites. C'est juste que Cuttersen ne peut pas blairer Hobbs, en fait. Mais ce, depuis la première fois qu'il l'a vu. Il vous a rien fait, Hobbs, en plus, ça. Non, c'est juste que j'ai décidé que mon perso pouvait pas blairer Hobbs. C'est tout. Bon, sur ce,
Nous avons un peu de route à faire. Nous partons tout de suite ou voulez-vous vous reposer? Ouais, plutôt sera mieux, je pense. Bah écoutez, partons tout de suite dans ce cas-là. Allons-y. Je prends la première partie de la route. Très bien. Fais-moi un jet de conduite, s'il te plaît. On va tous mourir. Non, non, non. Si je fais un 1, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux pas l'annoncer avant? Non. Ce sera la surprise. Ah, dommage. Il est allé chercher quand même. Je cherchais. 2. Très bien. Tu connais pas la route, donc tu mets quand même plus de temps que prévu. Tanaka. Ah, t'es où, tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'est en rapport au gif qu'il a posté, moi. Il y a pas de... Il y a zéro vice, c'est de la faute de Mana. Mais j'ai rien posté, moi, qu'est-ce que tu... Il se passe quand même un truc de bizarre, hein. Et donc, au lieu de mettre 3 heures de route, vous mettez plutôt 5 heures. Chef. Ah ouais, j'ai bien paumé, quoi. Et Hobbs, ça passe un peu... J'ai dit que je prenais la première partie de la route, j'ai pas dit que je prenais toute la oui, route. Oui, mais tu les as ralentis quand même. Bah, au bout de 2 heures, je refile la route à quelqu'un, moi. Bah, t'as Hobbs qui tout de suite se propose. Ouais, c'est pas comment dire. Ouais. Yes, c'est mon move. Et donc, j'ai hâte de dire et donc, alors. Et donc, certes, certes. Ah, mon petit! Comment allez-vous, mon cher François? Attendez, je change la musique aussi. Si vous êtes plus à passer des mains. Voilà, San Francisco. Ok. Donc, vous arrivez dans la très belle ville de San Francisco, en Californie. Je vous ai mis une carte des quartiers de San Francisco. Wow. Vous avez... Hop, je sais pas si vous le voyez. Nob Hill, ici. C'est là-bas que Hobbs vous emmène. Et donc, attendez, on va faire un petit peu le tour, hein, quand même, pour l'histoire. Alors ici, vous avez le Golden Bridge, le fameux pont rouge. Le Golden Gate. Ouais. Donc vous avez Chinatown, qui est ici. Tic, tic, tic. Alors, attendez, du coup... Ah, attendez, ça MP, qu'est-ce que c'est? Maxime Le Forestier. Ah, San Francisco. Oui, oui, oui. Et donc, vous avez à North Beach, ici, juste au nord de Chinatown, vous avez Japantown. Et donc, Hobbs vous amène à Dub Hill, dans le quartier de Dub Hill. Et il vous amène devant ceci. Donc Dub Hill, c'est un peu le quartier, vous savez, que le tramway, tout ça, les rues très... très pentues. Très pentues, ouais. Donc il vous amène devant cet hôtel, il vous dit, ce sera votre hôtel. Un très bon hôtel, ma foi. Si vous voulez poser vos affaires avant d'enquêter. Et surtout, une bonne nuit de repos, non? Vu qu'on vient de passer la nuit dans la voiture. Certes. Certes, certes. Non, juste certes. Il nous reste peut-être 3-4 heures avant 9 heures. J'aimerais peut-être dormir un petit peu. Je passerai demain matin pour faire un briefing. Savoir où vous commencez vos recherches. Je préfère ne pas me montrer avec vous, alors pas que je ne souhaite pas le faire, mais j'ai un passif avec la Jinyosha et je préfère ne pas interférer dans votre enquête. Je resterai en soutien. Qui est Rhume? Ah oui, Paul, tu as Rhume. Oui. Tu le sens omnubilé par le sujet de la Jinyosha. Ouais, tu... Est-ce que j'arrive à sentir que très clairement, il aurait envie d'une petite vendetta, mais qu'il se contient un peu? Ouais.
clairement. C'est vachement facile. Ah putain, tu le sens, mais tu peux pas me le faire partager. Ah oh, putain, sinon je l'aurais tellement teasé. Dépense-moi un point quand même, s'il te plaît. Ah, je le sens, mais je vais pas le dire dans lui, mec. Je sais pas non plus. Viens, et on les tue tous. Viens. Est-ce que tu n'as pas envie de venger tes hommes? C'est vachement précis, Lawrence West. C'est-à-dire qu'il nous avait quand même teasé quelques petits éléments de réponse, l'ami Hobbs. Il nous avait dit déjà qu'il les avait affrontés et que c'était bien passé. C'est vrai. Donc le reste est pas très compliqué à déceler, quoi. En rentrant dans l'hôtel, vous avez un majordome qui s'approche de vous. Oh messieurs, laissez-moi prendre vos valises. Vous venez pour combien de jours dans notre belle ville de San Francisco? 15 jours. Vous voyez qu'il a un petit badge marqué Bill. 15 jours, Bill. Ah, bonjour monsieur. Peter Sain. Oh. Vous êtes monsieur... Le monsieur Sain? Oui, et voici mon attaché de presse, Paul Mangano. Et mon éditeur, Lawrence West. Ah, j'allais dire, il a pas de nom d'éditeur, c'est inquiétant. C'est vous qui avez écrit Les abysses tourmentées de mon esprit? C'est une œuvre de jeunesse. Mais oui, en effet. C'est mon recueil de nouvelles. Oh, j'ai appris à lire avec vos livres, monsieur Sain, c'est un grand honneur. Ah, le pauvre. Est-ce qu'il a l'air très jeune parce qu'il a appris à lire avec mes livres? Il a pas l'air très jeune, il a juste l'air très triste. Je me sens entre 19 et 19 ah, et 22 d'accord, ouais, ans. Ok, ouais, donc c'est cohérent. Bien, c'est un plaisir de rencontrer un fan. Et je sors les bouquins que j'avais préparés parce que je t'avais dit que je les avais préparés. Et donc, je sors... Ah, je les ai déjà tous, mais c'est un honneur de recevoir un livre. Ah bah oui, vous, bien évidemment, il est signé. Je sors, alors attends... Les montagnes défoncées. Note-le, attends, j'avais dit quoi Les abysses tourmentées de mon esprit. Ouais, les abysses tourmentées de mon esprit, il était très bien, j'avoue que tu l'as trouvé, mais complètement random, et il était très très bien. Donc je le note. Note-le. Ouvrage de les jeunesse. Les abysses tourmentées de mon esprit. Et là, je lui sors donc les montagnes défoncées. C'était la grande question qui restait en suspens chez moi, c'était est-ce que vous vous étiez attribué une liste longue comme le bras avant de commencer, parce que vous même pas, même pas. Non, non, pas du tout, on les invente un peu au fur et à mesure. Voilà. Ah, c'est notre petit délire. Bah, j'ai noté Dead from the Bayou. Quoi d'autre? J'en ai sorti 3 ou 4 que j'avais déjà préparé. J'en ai dans ta bio aussi, je me souviens plus. Ouais, j'en ai 3 genre dans ma bio. J'en ai 3 que j'ai planqués. Voyons. Apocalypticon, oui. Murder from Outer Space et La lueur tombée du ciel. Et tu rajoutes Dead in the Bayou, Les abysses tourmentés de mon esprit et Les montagnes défoncées. Ben voilà, c'est parfait. Ça en fait beaucoup trop. Il faudra les écrire vraiment après. Hein. C'est un vieux pastiche des montagnes hallucinées, mais vraiment, j'en ai à chier. Avec des Québécois, tu sais. Car c'est vrai. Mais c'est un chagots. Carlis de monstre tentaculaire. Putain, j'ai fait le suisse là un peu bizarre. Et le shogot qui arrive Tanaka. Tanaka. Pardon. Oh, c'est un grand honneur de recevoir un livre dédicacé par vous, monsieur Sain. Tu s'incline. Je vous remercie. Non, mais il s'incline pas. Enfin, je le relève. Ouais, je vais écouter. Oh, mais laissez-moi monter vos bagages, monsieur Sain, et vos amis, bien entendu. Oui, bien évidemment. Laurence, nous avons une séance de dédicace demain, non? Je suis revenu. Je sais pas, j'ai pas écouté pas la conversation, c'est parfait. Meilleur employeur. J'étais pas parce que Laurence est vraiment visiblement nul à chier. Je vais tourner un poil, je vais pas la séance de dédicace demain. Je te rappelle que moi je suis l'éditeur, je ne suis pas au courant de ça. C'est vrai. C'est pas mon job.
Paul, la séance de bécane. Tu peux me remontrer les quartiers s'il te plaît, j'ai oublié. Ah, yes, il faut improviser là. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as balancé une couverture et elle était pleine de trous, du coup je suis désolé, tu les assumes. Oui, il me semble que c'est une librairie du côté d'Excelsior, si je ne m'abuse. Ah oui. Oui, bien. Eh bien écoutez, Bill, vous aurez la dédicace avant la librairie. C'est toujours ça de prix. Juste un petit billet. Oh, c'est très généreux à vous. Et puis n'hésitez pas si vous voulez... Par contre, Bill, oui. Nous sommes ici incognito. Oh, bien je entendu, bien entendu. Tu veux que je suis votre... Oh, je sais que vous avez un passif avec cette actrice dont je tairai le nom. Yes. Surtout que c'est des rumeurs complètement infondées parce que Cutter Sane, c'est pas du tout le genre. Mais du coup, là, on va en jouer. Je vais genre hocher de la tête. Ouais, elle n'est pas faite pour vous, monsieur Sane. Il a l'air d'être trop fait pour moi, lui. J'imagine qu'il est fait pour moi, ça m'inquiète énormément. Tu crois que si on va fouiller sa chambre, on trouve un imperméable et un chapeau On va trouver beaucoup trop de choses. On va trouver des fils rouges. Des fils rouges, tu sais, épinglés sur une carte avec ma tête, tu vois. Ouais, n'hésitez pas à vous et vos amis, si vous avez besoin d'un renseignement ou si vous recherchez quelque chose, je suis là. Bien évidemment. Le quartier qu'on recherche, Paul, tu te souviens ? Excelsior ? Non, pas d'Excelsior. Non, l'Excelsior, c'est pour les dédicaces de demain. Le quartier, tu sais, on avait entendu parler d'une boîte de nuit, le Tokyo, je crois. Oh, le Tokyo Club. Oui, le Tokyo Club. Ah oui, c'est à North Beach, c'est au nord d'ici. À combien, à peu près, à pied ? Oh, vous êtes à 20 minutes. Ben, je te remercie, Bill. De rien, monsieur Sein. Oh, appelle-moi Cutter. De rien, Cutter. Je monte dans ma chambre. Fais gaffe, hein, il va trop loin. Parce que j'ai vu un quartier au centre qui s'appelait Twin Peaks et du coup. Ah, c'est de vachement rien de chuchoter. Désolé, j'étais mute depuis tout à l'heure, mais je voulais dire qu'effectivement c'était North Beach. Oui, on nous l'avait déjà dit, mais c'était juste pour savoir à combien c'était de l'hôtel. Donc si c'est à 20 minutes à pied. Pas bien loin si je m'en prends au plan, parce que la ville de San Francisco n'est pas excessivement grande non plus. C'est pas toi qui avais été à San Francisco, du coup ? Ouais, il me semble, hein. Il me semble que j'étais pas loin de Twin Peaks, en plus, hein. Je devais être à... Attends, si tu remets la map, hein. Ah oui, attends, je te remets, excuse. Bah, c'est encore mieux si on a quelqu'un qui connaît. Je devais être du côté de Glen Park, je crois. Green Park. Ah, Glen Park, pardon. Quelqu'un qui avait été à San Francisco ou Trochoka. Ok, du coup... On va... Vous avez Bill qui monte vos valises dans vos chambres. Est-ce qu'on passe la nuit dans l'hôtel ? C'est ça la question. Alors, en fait, la question, c'est à quelle heure est-ce qu'on arrive ? Parce qu'on a roulé, je suppose, une bonne partie de la nuit. Je pense qu'on arrive vers 2-3 heures du matin, moi, c'est ce que j'avais compris. Ouais. Okay, d'accord, vous avez Hobbs qui vous dit qu'il passera le lendemain matin pour faire un briefing, donc... Vous avez le temps qu'il vous reste de libre. Ouais, bah techniquement, on va pas faire d'excès, effectivement. Vous pouvez dormir ou faire autre chose. Je pense qu'une bonne nuit de repos ne nous serait plus que salutaire, à moins que... Je me sers un verre de Glenfiddich et je vais écrire frénétiquement pendant la nuit. Tu me préviens quand il dort, mais je vais faire quelque chose. Quoique, je sais pas à quelle heure ils ferment les clubs à San Francisco. Je reviens dans 2 secondes. Tu peux demander à Bill ? Ouais, bah, c'est ce que je vais faire sur le temps de la conversation ou quand il apporte les valises. Oh, le Tokyo Club, il ne ferme jamais. Il ne ferme jamais ? Eh oui. C'est une de ses spécialités. Il y a un roulement permanent, 24 heures sur 24. D'accord, je pensais qu'aux États-Unis, les clubs avaient pour obligation de fermer de manière légale entre... Toi qui te fais, il s'approche de toi un peu, il fait, vous savez... Et je suppose qu'ils ont graissé les bonnes pattes.
Je ne vous ai rien dit, monsieur Mangano. Très bien, mais ce sera retenu. Merci beaucoup. Rappelle-moi sous quel titre je t'ai présenté, parce que je sais que Laurence West est mon éditeur, mais toi, je t'ai présenté... Mon agent. Mon agent ouais. Ou agent, ouais, je sais pas. C'était pas défini, je crois. Mais... Si, je suis sûr qu'il y a dit agent. Ok, bah Lawrence Paul, vous dormez ou vous faites autre chose? Moi, oui, non, je vais passer une bonne nuit de repos. Si je sais que maintenant le club est ouvert à la chaîne 4, je me dis que ça vaut pas forcément le coup d'y aller ce soir. Non, dodo. Ouais. Paul, récupère ton point de rhume que tu as dépensé. Ok. Lawrence, je sais pas si tu as dépensé des points. Non, rien du tout. Non, ça marche. Ouais. Je vais vérifier, mais... Cutter. Alors non seulement je vais passer la nuit sur un document que tu connais, mais surtout je vais essayer de voir à la fenêtre si je suis surveillé. Ok. Tu veux qu'on passe en privé ou pas? Non. Ok, tu vas faire deux jets. Ok. Tu vas me lancer un sixième sens et tu vas... Attends. J'ai effectivement rien dépensé. Alors, je regarde un truc. Ouais, tu me lances un jet de sixième sens et tu me dépenses des points de paranaturel, s'il te plaît. Je t'en dépense un, j'imagine. Ouais. C'est fait. Okay. Les deux, c'est fait. Alors, tu commences à en effet repérer des coordonnées plus précises. Ok. Et tu n'es pas suivi. Personne ne me suit. Je t'ai dit, je dors pas de la nuit, hein, donc. Non. Tu es tranquille toute la nuit. Nickel. Et quant aux coordonnées, bah, je les garde pour moi. Ok. On est le lendemain matin. Vous avez Hobbs qui arrive. Ah, messieurs. Je crois qu'il a une tête. Ah, messieurs. Pas entre les deux. Vous avez pu petit déjeuner ou... Bah, il arrive à quelle heure techniquement? Il arrive à 7h du matin. Pas encore, monsieur Hobbs, pas encore. On dit qu'ils font le meilleur café du quartier. On aurait bien essayé. Eh ben allons-y, nous suivons. Et il commande deux cafés au bar et il vous les ramène. Il en prend un pour lui et un pour Laurence. Connaissez-vous les croissants, monsieur? Attendez, je crois que monsieur Kemp me l'a déjà dit, c'est un truc français, c'est ça? Oui, j'ai goûté ça une fois en France. Ouais, est-ce que ça vaut des bagels? J'en doute. Ça les surpasse. J'en doute, okay. Monsieur Sain, mais bon. Sans goût. du coup, vu qu'il me fait vraiment chier, ce con, donc du coup, moi, je prends mes œufs brouillés et ce qui sert à me sustenter. Ok. Il y a des œufs brouillés, il y a du bacon, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir des fruits, flocons d'avoine. Et le café est très très bon, avec ou sans sucre. Ce qui est rare parce que le café américain est dégueulasse. Trop de sucre dans la tasse de Cutter Sain, parce que du coup ça l'aide à rester éveillé. Ok. Bon, je me permets de venir ce matin pour voir votre axe d'enquête. Où allez-vous commencer votre investigation? Je suppose que la piste du Tokyo Club est toute trouvée. En effet. Après, est-ce que vous souhaitez y aller plutôt la journée où c'est calme ou plutôt la nuit où tout se passe? C'est une bonne question. Ma foi, je m'attendais à ce que le club ne vive que la nuit et j'ai cru découvrir qu'il était ouvert à 24. Ah, ce n'est pas vraiment un club le jour, c'est plutôt une salle de spectacle. Mais j'ai cru comprendre qu'il savait y rester quelques pattes pour que...
Le club puisse se permettre de rester ouvert malgré les interdictions légales. C'est ce qui se dit, oui, en effet. À vous de vérifier ces rumeurs, monsieur Mangano. Est-ce que vous savez danser d'ailleurs, vous trois ? Avec un sourire un petit peu amusé. Je ne pensais pas y aller en tant que danseur, monsieur. Vous nous aviez dit que nous devions nous faire passer pour des amateurs de culte. Oui, non, j'entends bien, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère, monsieur Mangano. Je suis Cutter Sane. Vous savez que mon arrivée dans un club de ce genre aura son effet. Je n'en doute pas. Tout aussi petit scribouillard que je sois. D'autant petit scribouillard. Donc, j'espère que vous avez fait attention à... au masque. Personne m'a dit qu'il le récupérait, d'ailleurs. Il a dormi avec... Il a dormi avec qui ? Avec nous. D'accord. Mais qui l'a précisément, en fait ? Nous avions la même chambre. Ah bon ? La même chambre. Lancez-moi un des trois. Non, j'ai dit qu'on avait la même chambre, bordel. Ouais, je suis de rien. Non, mais c'est pas grave, lancez-moi un des trois. Une seule personne. Hein. Eh bien, vas-y, Laurence. Lance le des trois. C'est toi, Paul, qui a le masque. Putain, mais pourquoi tu... tard parce que Laurence va pas assez vite. D'accord. Laurence s'est occupé à récupérer les papillons que son chat lui amène, donc au bout d'un moment, forcément. Oui, je suis désolé, je suis légèrement déconcentré. Ah, y'a pas de soucis. Alors, que décidez-vous ? Plutôt de journée ou plutôt de nuit ? On dit que Noriyonishi accueille plutôt les visiteurs la nuit, mais... J'allais justement dire, en journée, ce sera peut-être plus calme, mais il aura moins la tête à gérer ses potentiels clients. Ce qui nous embêterait d'autant plus, Paul. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous le voulons occuper. D'autant plus J'entendais les clients réguliers du Tokyo Club. Écoutez, je pense que si quelqu'un de ma stature arrive dans ce club, là, t'as les chevilles qui gonflent parce que ta bite m'a reconnu, donc clairement... Mais après, Cutter Sane, c'est quand même un écrivain à succès, donc... D'autant plus si quelqu'un de ma stature arrive dans ce club, je pense qu'une entrée la nuit, tout en ayant l'air le plus normalement éméché possible, me semble cohérent. Laurence, vous connaissez bien quelques tours de magie ou quoi que ce soit, non ? Non. Voilà, c'est dit. Le reste, le perso du nom. Vous ne savez pas vous infiltrer, peut-être ? Par l'extérieur ? Je ne pense pas être la discrétion incarnée, bien loin de là. Paul ? À quoi servez-vous, Laurence ? Après, si vous ne voulez pas aller au Tokyo Club tout de suite, il y a le quartier de Japantown, si vous souhaitez peut-être y faire un tour. Clairement, on m'a pas appris à me faufiler à l'ARPA. Il n'est d'aucun intérêt qu'on me voie pendant la journée au quartier de Japan. J'irai m'exposer dans cette petite librairie dont nous avons parlé, Paul. Ils seront probablement ravis d'accueillir Cutter Sane, même pour une exposition surprise. J'y conçois. Du coup, qu'attendez-vous de nous pendant ce temps-là, mon bon Cutter ? Il semble y avoir une idée derrière la tête. Écoutez, je pense que pendant que nous distrayons le Wakai, quelqu'un pourrait passer par l'arrière et découvrir les secrets planqués derrière le club. Il me semblait intéressant que deux d'entre nous aillent par devant et que l'un se faufile à l'arrière. Ah, l'idée, c'était pas justement... J'ai déjà vu cette strat. Je sais pas où, mais j'ai déjà... Ah, c'est des strats, mais chez moi, je la stratégie de l'enveloppement, c'est normal, hein, tu vois, c'est... deux par l'avant, toujours un par l'arrière, tu vois. Titre. Que nous soyons marchands d'art ou... Oui, en effet, titre. Que nous soyons...
Putain, vous me faites chier. J'ai rien dit. Fatigué. T'as pas le droit de faire ça. J'en ai marre, putain. Ah bah non, je suis en train de penser à un porno. T'en as qu'un? Non, j'en ai pas qu'un en plus, t'as d'accord. Donc laisse-moi tranquille. Non, en vérité, je pensais véritablement que ma venue dans une boîte telle que celle-ci et le fait que je me fasse, ainsi que l'un d'entre vous, passer pour un trafiquant d'art pourrait suffisamment intéresser le Wakai pour que l'un d'entre nous ait les mains libres pour se profiler à l'arrière. C'est exact. Ops, vous avez reconnu la boîte, bien évidemment. Ops. Oui, pardon. Ops écrit. Vous avez reconnu la boîte, bien évidemment. Oui, je n'y suis jamais allé, mais j'y ai fait un tour, en effet. Vous avez reconnu les entrées. Oh, il y en a une au devant, une derrière. Il y en a une dans laquelle on... Ah, c'était juste pour m'écrire ça que tu faisais... Vraiment, c'était juste pour faire une blague porno. Non, moi je pose du Maxime le Forestier, bande d'enfoirés. Vous êtes vraiment tout de suite sur le cul. Comment s'appelle ce film d'ailleurs? C'est Road Trip. Ah, Road Trip, ouais. Attends, j'ai vu cette merde, c'est ça le problème. Ah, c'est parce que là qui a fait Joker en plus. Pire. C'est vrai? Oui, c'est le même réalisateur. Ouch. Ah, mais oui, exact. Il a même fait Very Bad Trip. Bon, c'était point culture. Ouais. C'est, mais il a fait plein de films que j'ai kiffé, ce mec-là, en vérité. Et que j'ai, parce que j'aime beaucoup ces films comiques de merde, je suis très très client de ce genre de comiques américains, très très pourris. Ça me fait beaucoup marrer. Je vous accompagnerai pas au club, par contre. Je vous ai dit, je reste en soutien. Allons, Raps. Vous arrivez devant la Jinyosha et vous reculez au dernier moment? Je recule pour mieux sauter, monsieur Sane. Le risque, c'est que c'est nous qui sautions, mais bon. Laurence, vous sentez plus de m'accompagner ou de tenter le... de l'arriver par derrière? Avec ma discrétion naturelle, ce n'est pas nécessairement la meilleure idée. C'est plutôt vous accompagner. En vérité, je mettrais un veto dans le sens où on nous a déjà vus régulièrement, Kitter Sane et moi, et le fait de me retrouver, comment dire. Il est vrai. Il est vrai que nous avons souvent été vus ensemble et plus d'une fois à San Francisco. Néanmoins, si Laurence ne se sent pas de passer par derrière. Ah, je peux le faire! Mais je pense que la discrétion, elle va très vite foutre le camp. Écoutez, la porte arrière sera gardée. Ops, vous avez de quoi faire passer... alors, quoi que me direz-vous, Laurence, vous avez votre badge du FBI. Mais... c'est pas exactement pas... Si la je puis vous conseiller, c'est d'y aller. Si c'est d'y aller en tant que simple client. Nous irons en tant que simple client après... Je pense qu'il faut éviter tout de suite n'y aller pas en tant que policier, surtout pas. À la limite, Laurence, vous pouvez essayer de vous faufiler dans une pièce pendant que nous détournons l'attention. Je pense que l'arrière sera gardé, par contre. Non, mais à ce moment-là, rentrez par l'avant et vous faufiler dans une pièce réservée au personnel tandis que nous attirons l'attention. Je ne sais pas que vous. Je ne pense pas que vous pourrez passer. Non, moi je suis partant pour rentrer en tant que client aussi. Surtout de voir à un moment le seul gaijin qui va se retrouver dans les locaux du personnel sur la scène. Ah ouais. Disons que je n'est-il pas possible, Hobbs, de se louer quelconque japonais pour ou quelconque chinois pour. C'est japonais, monsieur, vous êtes raciste. Je pense que vous vous méprenez un peu sur la clientèle du Tokyo Club, c'est principalement des Américains. Même essentiellement des Américains. Ce que j'essaie de vous dire, Ops, c'est que n'est-il pas possible de soudoyer quelques... Vous savez, ces Chinois qui étaient avec les nazis, là. Pour... Toi qui lève un sourcil.
C'était une référence, bien évidemment, à OSS 117. Il avait un sourcil, il s'est allé au bout de ta... vous savez, c'est les Japonais passer dans l'arrière-salle et nous rapporter quoi que ce soit de suspect. N'avons-nous pas un agent qui soit typé? Pas du tout. Ratisé, diraient certains. Non. Désolé de vous décevoir, monsieur C. Décevez énormément. Si Angbreg était là, il aurait pu peut-être faire quelque chose, mais vous devez faire sans lui. Quelque chose de sûrement très bien, j'imagine. La spécialité de l'infiltration. Ah putain, on s'en souvient, elle était mémorable. Il se déguisait si bien. Ah, franchement, Gaspard, où es-tu quand j'ai besoin de toi? Bien. Eh bien, écoutez, en attendant... En reconnaissance et vous aviserez d'une stratégie plus tard. Je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Je vais en tout cas me diriger tranquillement vers le quartier où je dois dédicacer. Et arriver dans la librairie de façon impromptue. À moins que Lawrence veuille partir en reconnaissance au niveau du Tokyo Club dans son coin, pour éviter d'éveiller le soupçon, surtout si on est en vue avec Cutter Stein, je me propose de rejouer une nouvelle fois son agent de liaison, son attaché de presse. Bien évident. C'est la librairie, du coup. Oh, très bien. Prenez la voiture jusqu'au quartier d'Excelsior. C'est arrivé de Lorraine, en attendant, vous reconnaissez le quartier ou vous venez avec nous? Moi, ouais, je vais me promener. Ok. Paul et Cutter, vous arrivez devant une petite librairie dans le quartier d'Excelsior. Librairie typique, avec baie vitrée, des étals de livres. Dès que tu entres, tu as le libraire qui te reconnaît aussitôt. Je suis devant la librairie et avant de rentrer, justement, j'envoie mon agent, Paul Mangano, pour signaler que je suis là. Bah écoute, je suis parti pour jouer le jeu, donc je me dirige à l'accueil et fais... Comment, monsieur Seine, ici? Mais il n'a aucun livre en ce moment à dédicacer, je... Enfin, c'est pas que je le refuse, excusez-moi, faites l'entrée, oui. Avec plaisir. Alors, il n'a aucun livre à dédicacer. C'est ce que vous pensez, monsieur. Il s'en prépare. C'est mal méconnu. Ah, c'est vrai qu'il s'en prépare un, en effet. Qui s'appelle X-Files. Les petits hommes rouges. Le dossier X. Non, je voulais l'appeler le dossier de la soucoupe, mais c'était... J'arrive pas... En fait, je voulais faire un livre sur la première affaire qu'on avait fait, mais j'ai du mal à trouver un titre qui soit super, en fait. Le dossier Y me fait beaucoup marrer. Pardon. Ah bah voilà, le dossier Y, très bien. Ça roule. Exactement, ça va être le dossier Y et ça va être sur notre première affaire. Mais que à base de métaphores et de... Enfin, que à base de... Tu vois, genre, en gros, c'est... Tu vas parler d'épisode dans le bas ou... Bien sûr, ouais, non, tout y sera. Tout y sera, mais avec des faux personnages et sur une fausse planète et tout. En gros, c'est tout le bouquin que je me prépare d'écrire, c'est sur la première affaire. Ok. Ça va être le nouveau bouquin que je vais annoncer dans la librairie. Bien évidemment. Est-ce que vous rentrez? Pour créer l'événement. Moi, ouais, je présente effectivement Cutter Stein et du coup, s'il est parti pour aller le chercher. Monsieur Seine, enchanté, tu veux qu'il te tend la main. Chris Sullivan, enchanté. Enchanté, monsieur Sullivan. Je passais devant votre librairie et elle me semble parfaite pour annoncer mon nouveau livre. C'est j'espère que. Oui, je sais. J'espère que vous êtes comblé d'honneur. Ah, bah oui, c'est un immense honneur, oui. Bien, eh bien écoutez, annoncez-moi. Vous avez quelques clients ou pas du tout? Oui, ils sont là-bas. Tu veux des clients qui te regardent un peu, sachant pas trop quoi dire. Paul, tu as prévu la bannière ou il faut qu'on en fasse écrire une?
Malheureusement, elle ne passait pas dans la voiture. Hein. Oh. Dites-moi, Sullivan, c'est ça? Oui, Chris. Voilà, alors, écoutez, est-ce que vous avez de la toile, un petit peu de toile, et écrivez ceci sur... Je vous promets quelques entrées. Écrivez ceci, et à mon avis, vous aurez quelques clients. Cutter Sane présente son nouveau livre, Le Dossier Y. Oh, vous avez un nouveau roman à annoncer, mais c'est... Vous avez l'exclusivité, monsieur Sullivan. Oui, laissez-moi passer des coups de fil. Tu vois qui court vers le téléphone et il passe des coups de fil. J'y reviens dans deux secondes. Lui aussi est parti passer un coup de fil. Tu peux revenir dans 20 secondes, je serai toujours sur mon bail. En gros, l'idée, c'est de faire un maximum de bruit pour que dans le Tokyo, ils soient au courant que Cutter Sane est là, machin, etc. Donc en gros, quand j'aille dans le, quand je vais rentrer dans le truc, ça soit pas suspect, quoi. Dépense-moi un point d'inspiration, s'il te plaît. Cutter. Putain, ça aurait pu être de réseau, mais là, j'étais inspiré, en effet. D'inspiration. Est-ce que mon agent ne peut pas en dépenser lui aussi? Il a pas, je crois, Paul. Inspiration? Ah si, là, Charlie. Ouais. Normalement, il est très inspiré, hein. C'est, Tous les deux, dépensez-moi un point. Ok. C'est quoi le Cernac? Du coup, où est-ce qu'il est, inspiration, déjà? Dans interpersonnel. Interrogatoire. Juste après, vas-y, interrogatoire, c'est ça? Entre flatterie et interrogatoire. Ouais, c'est bon, je l'ai. Hop, c'est fait. Et là, normalement, l'événement est un succès. Bah, en effet, il y a plusieurs clients qui arrivent dans la librairie, qui te saluent et qui te serrent la main vigoureusement. Quelques femmes aussi, étonnamment, qui te... Étonnamment. Qui ne te serrent pas la main, par contre, mais qui te... En soi, c'est vrai que c'est de la science-fiction. Donc, maintenant, Cutter Sane, il s'est orienté du thriller vers la science-fiction, donc... Oui, t'as quand même quelques femmes, pas énormément, mais quelques-unes quand même. Et la librairie se remplit, et vous êtes à peu près une cinquantaine de personnes, vous êtes un petit peu entassés. Je tousse, parce que j'ai le coronavirus. Et on parle surtout de tes livres, en fait. Pas trop de toi, de... T'as bien un ou deux clients qui te parlent de ton passé, comment t'es venu l'idée d'écrire, notamment... Je vais essayer de plutôt, si j'ai besoin de faire un geste, mais en tout cas, répondre de bon cœur aux clients, d'essayer d'être vraiment dans la promotion de mon nouveau bouquin. Et en vérité, j'écris vraiment ces aventures, donc... Non, mais ça marche. Mon éditeur, qui n'est pas Laurence Prest, mais... Et donc, dossier Y, de quoi ça va parler, donc, monsieur Singh? Eh bien, écoutez, le dossier Y participe d'une... forme de virage que j'ai voulu faire prendre à mon écriture. Vous l'aurez peut-être remarqué avec la lueur qui est tombée du ciel. J'ai décidé de m'intéresser de plus en plus à ce qui nous dépassait, ce qui dépassait notre compréhension, les créatures venues d'ailleurs. Et je pense avoir vécu des expériences si marquantes, si intenses, que j'ai ressenti le besoin... d'écrire peut-être ce que j'ai ressenti comme un contact avec les entités extérieures. Oh, et est-ce qu'il sera mieux que Apocalypticon? Oh putain, il trash Apocalypticon là. Je l'ignore lui. Ah, t'as un client qui est... Ouais, qui... Ouais. Je l'ignore, je lui réponds pas. Okay. Bah, tu vois qu'il se recule un peu, il sent qu'il a bidé. Ouais, limite, j'espère que les autres fans lui jettent des cailloux. qui seront les personnages, monsieur Sain? Tu vas dédicacer son bouquin au couteau, au coup de papier. Le personnage sera un émule de moi-même, Sutter Kane. Oh. Pardon. Un écrivain. Est-ce qu'il y aura du gore? Vous écrivez très bien le gore, monsieur Sain. Bien évidemment. Bien évidemment. Et plus que du gore, il y aura cette omnipotence et ce questionnement interne de l'écrivain maître de son monde. Et il y aura cette question
ma foi, fort existentialiste aussi, de savoir pourquoi nous sommes arrivés dans ce monde et à quoi nous servons. Je pense que, modestement, cet ouvrage apporte des réponses que j'ai vécues, en tout cas des réponses sur la futilité de l'existence humaine face aux forces qui nous entourent. Oh. Ceux qui disent « Oh, j'ai envie de les baffer » intérieurement. Ah. Le bâtard. Connard de MJ. Violence gratuite. Il m'a tellement trollé au pire. Il y avait énormément de mépris dans tout ce qu'il a fait. Vas-y, du coup, continue, Bana, avec grand plaisir. Oh, et votre agent, Monsieur Sein, faudrait qu'il parle avec nous aussi. Monsieur Mangano. C'est moi-même. C'est vous qui m'avez suggéré les dédicaces sauvages, donc vous pouvez en parler un petit peu. Oh, c'était une très bonne idée, Monsieur Mangano. Il faut continuer. L'idée, justement, était de voir si la fanbase de Monsieur Sein répondait au rendez-vous, malgré le fait que les dédicaces étaient improvisées, et nous sommes contents de remarquer qu'elle est toujours à la peine. Et c'est vrai, tu vois que c'est un peu tout le monde qui dit ça, enfin qui parle un peu en même temps. Et c'est vrai ces rumeurs sur Cathy Donovan, Monsieur Sein? Je ne commenterai pas les rumeurs sur Cathy Donovan. Monsieur Sullivan. Oui, mais oui, Monsieur Sein, oui. Vous avez contacté le San Francisco Telegraph? Oui. Plus le San Francisco News. Les journalistes sont en chemin. Ah oui. Fort bien. Quant aux rumeurs sur Cathy Donovan, je dirais juste que... C'est une mauvaise actrice. Il y en a qui gueule, ça. Ses talents d'actrice n'étaient absolument pas au centre de mes préoccupations. Et je dois vous avouer que... Sullivan et moi songeons par ailleurs à officialiser notre relation. Scandale. Oh. Ah, je crée du scandale, yeah. Bah, vous allez vous marier, hein. c'est fabuleux. J'ai dit officialiser notre relation. Oui, mais il y en a qui dit vous allez vous marier, c'est... Absolument pas, monsieur. Si vous êtes venu pour prêcher pour une église quelconque, je vous suggère de sortir. Vous devez savoir par ailleurs que je fréquente aussi bien les hommes que les femmes. Mais non, c'est pas vrai, monsieur Sein, vous nous faites marcher. Ça s'appelle de baisse, c'est vraiment gun en fait. Pas très progressiste. Ah mais non, mais sauf que Sein, il est... Là, on est dans les années 60, c'est terrible. Hein. Et donc là, je regarde Paul Mangano, savoir si mon agent me conseille de continuer ou non. Est-ce que j'arrive à voir, au niveau de la foule, s'il arrive toujours à captiver l'attention ou si ça commence effectivement à montrer un peu de dédain? Bah, c'est plus de l'incompréhension, là, parce que Thurston, à la fin, il a l'air d'être en roue libre. Hein. Ouais, mais en même temps, comme il le dit lui-même, il crée l'intérêt et il crée. Non, mais toi, qui est son proche ami, tu t'arrives pas à discerner le vrai du faux, quoi. Tu vois, ah ouais, non, mais moi je cherche pas. Moi, je vois à travers ce qu'il fait la finalité d'attirer le plus de bruit possible sur sa personne. Oui, mais en roue libre, par contre. Autant ouais, c'était mais... contrôlé au début. Là, non, ouais. Tant que ça sert notre popo, pour l'instant, je t'interfère pas, quoi. Ok. Bah, il te laisse faire, du coup, Kater. Pourquoi, monsieur, vous avez un problème avec ce genre de relation? Je dois vous avouer que c'est l'avenir, après tout. Mais c'est contre nature, c'est... Mais de quoi vous parlez, c'est... Monsieur Sullivan? Oui. Il me semble que vous ayez des racleurs de chiottes dans votre librairie. Est-ce que vous voulez les sortir, s'il vous plaît? Ah, bah, je vous en prie, monsieur Sein. Monsieur Sullivan, je suis venu dédicacer dans votre librairie au hasard, parce qu'elle m'a semblé fort sympathique et ma foi très progressiste. Surtout vous comprenez que si je daigne partager avec les autres quelques
bribes de ma vie privée, c'est bien évidemment parce que je songe que ceux qui suivent mes aventures ont évolué dans leur état d'esprit et sont arrivés à une conscience supérieure. Ce monsieur n'a pas l'air d'en faire partie. Vous m'excuserez, monsieur, mais vous pouvez revenir lorsque... Vous aurez lu mon prochain livre. Lorsque vous aurez lu mes derniers livres, peut-être. Sachant... Comment les montagnes défoncées. Fais-moi un jet de sixième sens, Cutter. Et par ailleurs, dans tout ce que je fais, j'essaie de toujours de repérer, savoir s'il y a quelqu'un qui me suit avec un impair. J'ai oublié de te le dire, mais... Oui, mais j'ai bien compris. Sachant que si je peux en rajouter une couche sur ce qu'il dit, je disais, oui, pourtant la réputation progressiste de San Francisco nous déçoit quelque peu. Je pensais avoir affaire à une fanbase un peu plus ouverte d'esprit, dirons-nous. Ah, mais après, c'est vrai que les fans de Cutter Sane, ils peuvent être double en vérité. Ouais, mais ma réputation de San Francisco, je sais plus depuis combien de temps. Enfin, joue vachement justement sur le progressisme. Ouais, sur ça. Ouais. Oui, mais bien sûr. Mais j'essaie de jouer là-dessus, mais en vérité, c'est vrai que le Cutter Sane, il fait des œuvres autant réac que progressiste en fait, puisque toutes ses œuvres sont teintées de guerre du Vietnam, etc. Il y a à la fois de la critique et il y a à la fois de la fascination. C'est... Ouais, mais toujours est-il que je rajoute ce petit commentaire par-dessus, quoi. 3. Ok, ça marche, je te dirai après. Tu vois, celui à qui tu t'es adressé d'une façon un petit peu hautaine, bon, si c'est comme ça, moi je me casse, hein. Et il s'en va. C'était l'idée. Au revoir, monsieur. Et n'hésitez pas à acheter. Il dit rien, il s'en va. La séance de dédicace continue, j'imagine. Ouais. Ah, et donc vous allez rester longtemps à San Francisco Une quinzaine de jours. Oh, c'est pour écrire un chapitre de votre roman. Le dernier. Oh. Ah, vous devriez aller voir le Golden Bridge. Le dernier, si il ne m'arrive pas quelque chose de fâcheux d'ici là. Mais de quoi vous parlez, allons ? De ma mort, enfin, voyons. C'est une ville tranquille, San Francisco. Bon, quelques petites affaires, mais sinon ça va. Je vous parle de ma mort. Mais vous n'allez pas mourir, monsieur Sane, arrêtez un peu. Si jamais je meurs, toutefois, vous devez être ceux qui sachent que ma mort n'est pas naturelle. Tu jettes un froid, là, sur l'assemblée. Monsieur Sainz, vous allez bien? Vous voulez un petit verre d'eau? Qu'est-ce qui me parle, là? Une dame. Je vais bien, mais un verre d'eau avec plaisir. Très cher. Oui. Ne parlez pas de mort, vous risquez rien. Allons. Vous devriez aller au Golden Bridge pour trouver l'inspiration, si vous en avez besoin. Déjà fait, déjà vu. Oh. Surcoté. Oh. Eh bien, écoutez. Non, je songeais plutôt à aller dans. Et rappelle-moi le quartier, s'il te plaît. Lequel? Le quartier de la boîte du Tokyo. North Beach. Japantown. Japantown. Bah, c'est à North Beach, mais c'est un petit quartier de North D'accord. Beach. Je comptais plutôt aller à North Beach. Ouais, c'est un très beau quartier. Proche de la côte. La dernière scène. Mm-hmm. Et à un moment, il y a le sujet de Cathy Donovan qui revient. Bon, et alors, quand est-ce que vous allez la présenter aux journalistes? Quand l'envie m'en prendra. Ah, d'accord. Oui. Je comprends. Je ne souhaite pas m'étendre sur ce sujet. Mais vous pensez avoir des enfants un jour Je le surveille très particulièrement. Je le regarde très très fort. Ah, c'est un petit vieux. Ah, fais chier. Bah oui, mais non, mais monsieur Sane, vous comprenez, c'est pour vous laisser un héritage avec vos livres, mais il faudrait laisser un héritage à vous.
Vous voulez dire laisser un enfant dans cet univers de guerre froide sans avenir et où la bombe nucléaire peut nous tomber dessus à n'importe quel moment? Ah bah oui, une descendance quoi, oui, ouais. Le mec a été convaincu par ton speech. Eh bien écoutez, si jamais j'ai envie qu'une petite parcelle de moi meure sous une bombe nucléaire russe, pourquoi pas? À voir. Cathy n'est pas prête. Et discrètement, je glisse à Paul Mangano. Je ne connais pas de Cathy. Ah yes. Non, c'est faux, c'est faux. Non, non, dans la diégèse, si. Mais bon, ça aurait été marrant de... Je ne connais absolument pas de Cathy. Juste, Laurence, tu fais quoi en attendant? Oh, bah, je me promène. Ok. Il prend des photos de San Francisco, lui. Il a vu un petit parc et puis on fait le tour depuis 4 heures, tu vois. Dis-moi que tu te promènes au moins à North Beach, s'il te plaît. Oui, quand même, il y a un minimum. Oh putain, oui. Est-ce que tu reconnais la boîte ou pas du tout? Non, je reconnais le quartier autour. Tu te promènes dans North Beach, tu découvres un quartier assez agréable à vivre. Il y a un moment, tu passes dans un coin un petit peu plus ghetto, on dira. Et tu vois une vieille femme allongée par terre. Il y a un cercle en craie blanche autour d'elle. Et tu la vois en train de gueuler. Satan! Satan est sur cette ville! Okay. Soit dit en passant, ça a l'air comme ça random. Il y a 2 jours, j'ai croisé ma première prophétesse de l'Apocalypse. Et j'étais très content. Ah, ça m'est pas arrivé encore. Ah, ça m'est arrivé. Genre, repentez-vous, Dieu veut, Jésus, c'est la fin du monde, Dieu peut sauver vos âmes parce que la fin du monde arrive. Je l'ai rencontré il y a 2 jours. Ironie, le premier que j'ai rencontré, c'était à San Francisco. Ah, putain, nice. C'était génial parce que c'était devant la GDC, donc le gros truc de conférence de jeux vidéo, et c'était Satan a créé les jeux vidéo pour ruiner votre âme. Ah, en vrai de vrai, le tout premier que j'ai rencontré, c'était à Amsterdam, mais on était vraiment tellement défoncés que... C'était peut-être pas le cas, en fait, c'était peut-être juste un... Non, si, il nous a regardé, il a fait « Lock into your soul !» Tu vois, un truc comme ça, c'était génial. Mais bref, ça n'avait aucun intérêt. Si ce n'est que j'étais vraiment, vraiment mal. Toi, t'étais en puff-paff-pass. Ah ouais, non, j'étais au fond du gouffre. Ouais. J'étais au fond du gouffre. Mais le type nous a dit des trucs très profonds, tu vois. Et c'était un prophète de l'Apocalypse aussi. Mais la première prophétesse de l'Apocalypse à Paris que j'ai rencontrée, c'est il y a 2 jours à Neuilly-sur-Marne, quoi. Donc, Eh bien, elle est à Neuilly-sur-Marne, les gens. Donc, pardon, je reprends, du coup, la vieille femme t'accoste un peu. Tracez un trait sur votre âme, monsieur, écoutez-moi. Ben, j'écoute. Mais comment ça t'a grippé? Tracez un cercle, monsieur, pour contrer Satan. Mais commence à vouloir dessiner un cercle autour de toi. Ben, je te laisse dessiner, hein. Je vais pas la tacler comme ça de manière gratuite. Je ne suis pas quelqu'un de sympathique, mais je ne suis pas un bourrin psychopathe comme certains. Mais écoute, elle fait un... un cercle autour de toi. Ne bougez pas. C'est vrai que normalement, quand t'enseignes, il lui aurait mis un paquet. moi, quand elle a dit ne bougez pas, j'ai eu le... Leur vision est basée sur le mouvement qui passait en arrière-plan. Si vous sortez du cercle, Satan sortira de votre corps, s'emparera de votre âme et déversera un flot d'âmes mauvaises sur cette ville. Ça me paraît un bon plan. Bah non, puis pas bon, du tout, c'est pas un bon plan. Il faut pas comment je suis censé emmener le cercle avec moi. Bah là, en fait, pendant qu'elle a tracé un cercle autour de toi, elle s'est retracée un cercle autour d'elle en même temps. Et elle est littéralement devant toi. En train de te parler, elle a des cheveux blancs, des rides. Et elle pue très fort. Et elle sent un petit peu mauvais. Elle a un bracelet d'espèces de petites pierres sur son poignet. Petite pierre rouge. Il vous faut un bracelet aussi. Pour vous protéger. Vous protéger. T'as des gens, des badauds qui te regardent. Interloqués. D'autres amusés.
Et elle a du stock ? Elle dit oui, j'ai du stock, oui. C'est gratuit ? J'ai de la drogue ! Ah non, 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 non. Ah bah, la gratuité, c'est le signe du démon, mon bon monsieur. Jésus nous a offert le dollar. Il faut utiliser le dollar, monsieur. La salope. Ah, la grosse pute. Bon, bah, écoute, tu fais quoi ? Je sors du cercle. Ça me rappelle quelque chose. Je le fais 4-5 fois. Ah, histoire de bien la faire chier. Le démon est sur vous, monsieur. Éloignez-vous. Elle dit ça comme ça, elle reste toujours dans son cercle. Ouais, bouge pas. Qui est juste à côté de moi. Oui, oui. Bah, je continue à rentrer et sortir. Tu vois, commence à paniquer. Non, 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 non. Bah, écoute, je continue à rentrer et sortir. Ouais, elle va essayer d'attraper ton bras. Arrêtez. Bah, dans ce cas-là, donnez-moi un bracelet. Ah, si vous me donnez l'argent du Seigneur. Je rentre et je sors. Mais non, non. La torsion psychologique de la vieille qui cherche juste à gagner de l'argent. Putain, le bordel. Donne-lui un dollar, quoi, bah, je sais pas. T'en as des dollars, prends le bracelet, fais-le pas chier, rien. Je m'en bats les couilles. T'attends pas l'argent du Seigneur, mon bon monsieur. Je rentre et je sors. Expiez vos péchés là. Je rentre et je sors. Ça n'a aucun sens. C'est pas ma faute. Tout ce scénar n'a aucun sens. On est dans une librairie alors qu'on devrait être dans une boîte de nuit. On a un autre qui vous les rond. Avec une clodo, putain, ça n'a aucun sens. Bah, je vous propose du monde ouvert. Oh, t'as raison, il est super chouette ton monde ouvert. Moi, j'adore. Ça me fait beaucoup plus stylé que n'importe quoi, tu vois. Non, je veux dire, c'est le meilleur. Moi, c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est de faire des conneries, en fait. Donc, je kiffe, tu vois. Mais c'est juste que je suis en train de me rendre compte que là, t'as un agent du FBI qui est en train de faire. Je saute, je rentre, je saute, je rentre, je saute, je rentre. Le mec, il est habillé comme un agent du FBI. Il a la carte de l'agent du FBI. Il est en civil, attends. Je veux dire, t'en fais un film comique avec Will Ferrell, quoi, tu vois, mais sinon, ça n'a aucun sens. Du coup, elle veut toujours pas me faire le. Si, à un moment donné, d'énervement, elle s'enlève une des pierres, elle te le jette à la gueule. Tenez. Ok. Le cradinos de l'enfer. Je fais juste à prendre un bracelet ripou, quoi. Et en même temps, tu vois qu'elle efface la moitié de ton cercle. Ah, si vous voulez que je refasse le cercle, il me faut donner l'argent du Seigneur. Eh ben, je rentre, je sors. Tu vois qu'elle dit rien. Elle dit rien. Mais non, elle a effacé le cercle, couillon. Eh ben, je m'éloigne pour la forcer à sortir de son cercle. Si elle veut refaire le cercle. Elle dit, allez rejoindre le démon. Hors de ma vue. C'est prévu. Et du coup, bah, je continue à me promener. Fais-moi j'ai tes émotions, s'il te plaît. En mode balestier. Je trouvais que le truc que j'avais fait à la librairie était inutile, mais t'as réussi à faire mieux. Yes. En fait, dis-moi, c'est pas si inutile que ça ce qu'on fait. Bah non, parce que nous, en fait, le but, c'est de... Moi, en fait, c'est vraiment de me faire repérer pour pouvoir aller à la boîte en étant repéré. Et du coup, que Oishi Machin, il s'intéresse vraiment fortement à moi, en fait. Surtout quand je vais lui dire je suis marchand d'art occulte, etc. De justesse, et Lorenz, tu évites un crachat. Waouh. Oh, c'est le Covid. Démon. Oh la vache. Ah la vieille salope, quoi. Elle mériterait que je lui efface son cercle, mais ce serait pas très gentil. Oh, bon, pour attendre, je pense que... Non, je suis chiant, mais je suis pas un connard non plus. C'est pas pareil. Ah, pardon. Je retourne à... Si la différence, elle est quand même vachement ténue. Je retourne à Paul et Keter. La soirée se termine. Enfin, la présentation se termine. Les gens commencent à partir en te remerciant chaleureusement et... qu'ils ont hâte de lire ce nouveau roman.
Cutter, Paul. Bah, à partir du moment où moi il y a les journalistes qui ont fait des photos et etc etc, je vais m'en aller. Hein. C'est, ah oui, t'as c'est, eu tout le tralala, hein. Les journalistes sont venus, t'ont interrogé. Ouais, voilà. Mais moi mon principe c'était de faire le maximum de bruit sur ma venue pour que en fait le fait que j'aille et que j'ai annoncé que j'allais dans le quartier et que j'allais aller basiquement vers le Tokyo, c'était pas ça serait pas suspect en fait. Ouais, ok, ça marche. Et ensuite par contre si je peux discuter avec Paul à l'écart. Tu peux. Paul, lorsqu'on sera dans la boîte de nuit, il faudra que ça soit toi qui te fasse passer pour le marchand d'art. Moi, je serai la couverture, la façon publique d'entrer, et que tu agisses en mon nom ou non, il faudra que tu sois l'interface occulte de notre petit marché. On peut dire qu'effectivement, j'agis en votre nom, Cutter. On peut dire que vous êtes passionné par l'occulte et que vous m'y dégoté pour servir en tant qu'agent de liaison. Ça me semble être une couverture correcte. D'ici là, il faudra qu'on prévienne Lawrence West que ça sera à lui d'être le plus discret et de se tenir en sentinelle. Quelque chose nous dit qu'il est déjà au courant, qu'il se fait le plus petit possible. J'imagine. Je connais son professionnalisme. Aïe, bâtard. J'ai pu le voir à l'œuvre. Attendons la nuit. Je vais rentrer à l'hôtel et écrire quelque peu. Cette séance de dédicace m'a plus ou moins épuisé. Vous souhaitez une aide quelconque ou... Je sais pas depuis combien de temps tu me vois, mais en tout cas, tu sais que ces séances de dédicace me rendent malade. Je déteste les gens, absolument tous les gens. En tant qu'agent, je préfère vous voir en public, mon bon cutter. Je sais bien, mais là, j'ai pas l'impression. Je regarde à droite à gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ou pas. Est-ce que tu sors de la librairie? Oui, bien sûr, mais je t'ai dit que je sortais de la librairie. Okay. En sortant de la librairie, à un moment donné, tu marches dans une flaque d'eau. Sérieusement ? Oui. J'inspecte la flaque d'eau. C'est une flaque d'eau. Elle est normale ? Oui. Il y a de l'eau. J'ai déjà marché dans une flaque d'eau précédemment, donc du coup... Non, celle-là, elle a un truc de particulier. Elle est humide. Elle est mouillée, ouais. J'ai l'impression que la malchance me poursuit. Faudra qu'on fasse gaffe aussi. La personne qui me poursuit, je ne te l'ai pas dit, mais... Elle m'a donné une carte. Pendant que Laurence n'est pas là, j'aimerais que tu l'examines. Alors bon. Depuis quand elle te poursuit ? 2 mois maintenant ? 1 mois, 1 mois et demi. Je ne sais plus. Ça fait déjà au moins un bon mois et demi. Le temps se dilate. Le temps se dilate depuis notre dernière mission et depuis que j'ai posé les yeux sur cette carte. Tu te souviens du continent de Mu ? Oui. Il existe, véritablement. Le masque que tu as entre tes mains vient d'un continent qui a existé et qui est toujours enfoui là, quelque part. On ne nous a pas tout révélé. Je suis persuadé que ces aliens, que ce continent, ça avait quelque chose à voir, quelque chose de plus grand que Delta Green nous cache. Et que... ceux qui nous ont soutiré des informations nous cachaient aussi. C'est très peu rassurant ce que tu me dis là, mon cutter. J'ai l'impression qu'on est les pions d'une horrible farce. Ou d'une horrible machination qui se traîne sans qu'on puisse en apercevoir les rouages. Nous sommes surtout des pions non sachants. C'est ça le problème. C'est ce que j'aime derrière. Je sais. Mais j'aime répéter les choses. C'est très bien que j'aime reformuler. Dérive d'écrivain. Bref, reviens à l'hôtel, j'ai la carte sur moi, mais toujours sur moi. Je te la montre à l'abri de la chambre, et je te ferai part de mes avancées. Entendu, faisons ça. Et c'est ce que je vais faire, pendant que Lawrence West n'est pas là. Ça marche. J'ai une petite question, vous voulez qu'on s'arrête là, puisque vous vouliez petite session, donc... Alors, ouais.
Je suis encore chaud pour continuer, mais on peut s'arrêter. Juste avant qu'on s'arrête, moi j'aimerais examiner le bracelet que m'a donné. Alors, la dame. C'est pas le bracelet, t'as donné une pierre de son bracelet. Si tu veux faire une pause adéquate, je pense que la pause adéquate, ça serait quand on arrive dans la boîte. Bah, c'était plutôt pour Azra en fait, quoi. Ah oui, pardon. Mais moi je vais pas trop traîner non plus, donc c'est pour ça, c'est comme vous voulez. Arrête quand tu le sens. Du coup, ouais, j'aimerais bien examiner la pierre qu'elle m'a achetée pour voir si elle a quelque chose de spécial, hein, puisqu'elle avait l'air très convaincue qu'il allait se passer des choses horribles. Et de manière générale, c'est vrai que dans ce jeu, il se passe des choses horribles, donc j'aurais quand même tendance à la prendre un petit peu au sérieux. Ceci n'est pas un jeu, monsieur, c'est la réalité. Du coup, est-ce que je remarque quelque chose de particulier au niveau de cette caillasse? Je regarde tes comptes. Les seuls trucs que je pourrais avoir, c'est Sciences Alternatives et Géométrie non euclidienne. Non, tu vas me dépenser. Alors, attends. Non, ta chimie. Ah. Oui. Messieurs, par ailleurs, en général, si vous voulez une. Oui. Un petit glimpse sur ce que ça peut être la saloperie des hommes. C'est sympa. Ok, je vois le délire. Écoute, tu as chimie, me dépense pas de points. Okay. T'as une micro-connaissance des pierres, un petit peu. Tu sais que c'est du jade rouge. Attends, quoi? J'ai pas compris ton... C'est pas fréquent. En gros, il reconnaît la pierre, en fait. C'est du jade, rouge. Non, je parlais de ce qu'avait envoyé... Ah, pardon. C'est une mission générale. Tu sais que le jade rouge, ça apporte notamment la confiance en soi, ouais. Etc. Trucs comme ça, quoi. Après, la façon dont je me suis foutu de sa gueule, je pense que la confiance, je l'avais déjà. Écoute, voilà, tu sais ce que c'est. Tu la gardes ou tu la jettes ou tu... Oh, je la garde. Ouais, ok, ça marche. Tu peux la rajouter dans ton inventaire. Tu mets pierre de jade rouge, pierre pousse de jade rouge. On en était où, les deux autres? À l'hôtel, en train d'examiner la carte. Donc du coup, normalement, toutes les infos que j'ai eues sur cette carte, il peut les avoir. Ouais, c'est ok. Si tu peux lui les donner, mon petit banin. Ouais, je ferai ça en aparté. Ok. Est-ce que vous allez au club ou vous faites autre chose? Vous attendez la nuit, vous y allez le jour? Suivant les conseils de Cutter Sane, oui, on va attendre la nuit, je pense. On attend la nuit et on va au club. Ça marche. Vous avez moi, j'attends le coucher du soleil juste pour... J'attends minuit. Eh ben non, mais c'est vrai que son idée de se pointer quelque peu éméché en mode il ne réfléchit plus trop à ce qu'il fait et ça pourrait faire tomber un peu, enfin ça pourrait faire abaisser un peu la garde. La garde, moi c'était toute l'idée, ouais. Est-ce que vous bourrez la gueule ou pas? C'est ça ma question aussi. Pardon? Est-ce qu'on... Vous bourrez la gueule? Moi non, parce que je ferai... Non, lui il va faire l'intermédiaire. Moi par contre, suffisamment pour avoir l'air d'être chaud sans avoir perdu mes sens, quoi. Ouais, t'as les vapeurs, quoi. Voilà. Je vois. Ok. Vous avez mis une petite image de Japantown pour présenter un peu le quartier. Et moi pendant ce temps-là, effectivement, je suis encore en train de me balader. Donc je pense que je vais croiser un resto à un moment ou un autre et puis je vais me rater. Bah à un moment donné, tu vas retourner à l'hôtel. Ce mec il fait sa vie en fait, il va juste. Il parle avec Clodo, il bouffe et ensuite il repart. À un moment donné, tu vas se coucher avec lui. Tu fais de la mission? Ouais, bah ouais. Ah bah je me fonds dans le paysage. Hein. Non, mais à un moment donné, tu vas retrouver les autres quand même. Qui te disent qu'ils vont aller au club la nuit? Bah je sais pas à quel moment on va se retrouver. C'est plus un sac qu'ils y aillent la nuit donc. Et il est aussi prévu qu'il se fasse remarquer, donc je vais continuer à me promener. Puis quand j'entendrai qu'il se passe quelque chose, bah, je serai à proximité. Quoi. Ok, ça marche. Et comme ça, on m'aura pas vu avec eux,
Il reste à proximité du Tokyo machin, etc. Enfin, du Tokyo Night Fever. Ok, ça marche. Et alors, du coup, je bascule. Je vous mets une petite image de nuit. Hmm. Ouais, ça charge une grosse image. Attends, musique. Hop là. Ah là, c'est là qu'il fallait choper les musiques de merde, attends, comment ça s'appelle? Ah, fait chier ce jeu vidéo de vidéo. Yakuza? Mais non, pas Yakuza, mais Yakuza ça aurait été très cool aussi, ouais, mais j'étais pas du tout là-dedans. Shadowrun, ça aurait pu être le cas. Attends, je vais rechercher mon Steam et je vais te dire la bande son auquel je pensais absolument. Blade of the Shogun. Non, mais non, parce que Blade of the Shogun, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est hyper calme, tu vois. Tu sais, je vu de dessus où t'as un personnage qui a deux guns avec des masses de chevaux hyper bizarres et tout. Hotline Miami. Ouais, Hotline Miami, ouais, bien sûr. On est parti sur du Hotline Miami là. Oui, ah, avec des masques de chevaux, j'avais compris. Oui, des masques de chevaux. Mais non, des masques de chevaux. Ouais, il n'y a pas que des masques de chevaux. Oui, mais je pensais à celui de cheval. C'est un coq. Ouais, exact. Mais sinon, je pensais à. Comment il s'appelle ce jeu déjà? Tu sais, le jeu avec un samouraï et un kata qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Tu sais, futuriste, où t'as une petite fille et tout avec toi, un moment. Ah merde, chocolat testé. Il est tellement cool ce jeu. Non, je pensais pas à ça. Ouais, je pense. Une petite fille. Quoi? Ouais. Attends, je vais le retrouver. Après, qu'est-ce que t'appelles il y a pas longtemps, 6 mois? Je pensais à Mark of the Ninja, là, techniquement. Non, c'est pas Mark of the Ninja, c'est un platformer slash action. Très cool aussi. C'est pas multi du cul. C'est pas non terminé parce que je l'ai terminé celui-là. Ah putain, tu sais, Blade Samurai ou un truc comme ça, bordel. Ah, il est tellement cool ce jeu à la con. Je vais le retrouver, allez-y, continuez. Oui. Et donc vous deux, t'as l'air de dire donc, vous rentrez au Tokyo Club. Alors c'est une image d'illustration, hein, c'est pour vous situer à peu près le bâtiment. Waouh! Ouais. Grosse musique. Katana Zero. Mmh. Le jeu. Ah oui, d'accord. Ouais. Je voyais pas du tout le jeu là, tu vois. Non, mais c'est bon. J'ai... Donc, ça, c'est le bâtiment intérieur, du coup. Putain, j'arrête de dire du coup. Alors... L'intérieur ressemble plutôt. C'est-à-dire, du coup, et donc. Et donc, du coup. Ok. Donc voilà, je vous ai mis deux images de l'intérieur. Alors moi, si je peux me faire dérouler le tapis rouge, je vais le faire. Hein. Tant te le dire que là, je vais arriver comme une resta, quoi. Je me demande si ça passe. Après, on est dans les années 60, un écrivain qui... Un écrivain ultra célèbre comme ça, je pense que ça passe. Hein. Je pense que je peux dégoter le carré VIP assez facilement. Hein. Alors, surtout déjà, après avoir créé l'événement, quoi. Vous arrivez, il y a une file d'attente assez longue. Il y a un vigile qui vous aperçoit et qui vous fait signe de venir. Ah, monsieur Sein, on vous a prévenu que vous étiez en ville. Bon, vous n'êtes pas invité, mais le patron il souhaite vous parler, donc suivez-moi. Vous entendez, Paul? J'entends, monsieur Keter, j'entends. Bien. Vous me dégotez une bouteille de champagne quand on arrive. Ah non, mais il vient avec vous, votre ami. Je sais qu'il vient avec moi, mais c'est lui qui me dégote une bouteille de champagne. Et vous êtes qui pour me parler comme ça? Je suis garde de sécurité, monsieur. Bien. Je suis Cutter Sane. Vous êtes garde de sécurité. N'oubliez pas. Enchanté, garde de sécurité. J'oublierai pas, monsieur. Ce perso qui a quand même un fond de sac à merde. Hein. Ah, il a pas qu'un fond. C'est un gros sac à merde. Ouais, mais le problème, c'est qu'on voit bien les traces qui traînent dans du coup. On peut garde 2, c'est votre prénom et sécurité, c'est votre nom. Comment ça se passe? Je passe. Tu passes, du coup. Ça marche. Mais vraiment, genre en mode.
Alors, en vérité, je te... presque, il faudrait pas que je fasse un truc de comédie, parce que Cuttersen va pas dans ce genre d'endroit, hein, donc c'est vraiment, il est en train d'improviser. Emmener l'homme, passer une porte qui a l'air de descendre, de mener un sous-sol. Et ça tu parlais en quoi? Hein? Parler en américain ou ça parlait en japonais?
Ça parlait en américain. J'ai hormis la musique qui a l'air de jouer très fort, je peux capter des bruits de conversation ou arriver à lire sur les lèvres ou... C'est du jazz, ça joue pas si fort que ça. Ah, bah oui, oui. Tu as l'air de comprendre quelques mots, comme quoi c'est un mauvais payeur, l'homme qui se fait emmener au sous-sol. Voilà. Et qu'il doit... qu'il va devoir payer la somme d'une façon ou d'une autre. Avec son corps. Et tu vois l'homme aux yeux noirs de jet qui reprend sa routine, qui refait une ronde autour du club. Les gardes de sécurité ont disparu au sous-sol avec l'homme. Il y en a un qui va se faire enculer dans un placard. Cutter, tu remarques plutôt la femme, qui est une très jolie femme. C'est pour ça que Cutter s'est tourné. Qui a l'air d'être d'origine asiatique, tu ne sais pas de quelle ethnicité. Elle discute avec un homme et une femme, donc, je disais-je. Tu vois la femme qui... L'autre femme, pardon, qui a un regard assez neutre, très fermé. Et l'homme qui... a l'air d'être un petit peu en colère. Et au bout d'un moment, tu vois discrètement l'homme qui tend une liasse de billets à la jeune femme qui fume. Celle-ci. Ok. Des mafieux. C'est tout ce que tu as peux... voir. Est-ce que je peux m'approcher ? Tout à fait. Si je m'approche, j'en entends un peu plus ou pas ? De quoi ? Si je m'approche, j'en entends un peu plus ou pas ? C'est fini, hein. L'homme est parti, ça y est. Tu vois la jeune femme qui congédie l'autre femme d'un mouvement de la main. Et la femme s'en va. Je fais un petit psh, psh, à Cutter, tu vois, genre à Paul, pardon, genre psh, 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 genre va voir ce qui se passe ailleurs. Mais de toute façon, c'est. J'étais déjà ailleurs. J'ai déjà parti ailleurs, oui. Et du coup, je vais essayer de small talk avec la jeune femme. Ok, c'est quoi ton approche ? Est-ce que j'ai 5 secondes pour y réfléchir ? Parce que j'étais en train d'écouter un truc à fond dans les oreilles. On peut s'arrêter là, si vous voulez. Ouais, pire, je réfléchis comme ça pour la prochaine fois. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je mettrai du hotline mamie si tu veux. Mais j'étais complètement là-dessus, mec. Parce que pour moi, l'ambiance de la boîte de nuit, c'est Paris de Moon, tu vois. Elle est excellente. Sympa, ouais. Mais franchement, c'est de la boîte de nuit des années 80, façon Hotline Miami, c'est génial. Ouais, sauf qu'on est un peu dans les années 60, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est oui, parfait bon, quand même. On peut faire un peu de l'anachronisme. Pas... Bah écoutez, je vais couper ici. Ciao, ciao YouTube, j'espère que ça t'a plu. Ciao YouTube, merci prochaine. De nous avoir suivis, c'était de la merde et excuse-nous. Tanaka. C'est négatif. Tanaka, ciao.